Eh bien, nous sommes de retour sur la passerelle et comme c'est la coutume, à chaque fois qu'une des équipes de l'ancienne ligue de 6 équipes s'amène au forum pour la dernière fois de ce que l'on appellera prochainement l'ancien forum, eh bien, il y a toujours une petite cérémonie pour commémorer ce dernier match. Allons tout de suite rejoindre Michel Lacroix. This game will be the 325th played at the forum between the Red Wings and the Canadiens, two of the six original teams of the National Hockey League. In order to commemorate the event, let's first treat a former Canadian and a former Red Wing. Mesdames, Messieurs, il a marqué plus de 50 buts à deux occasions dans la Ligue nationale de hockey, Mickey Redman. Membre du Temple de la Renommée, il a joué durant 15 saisons à la défense pour les Red Wings. This Hall of Famer was part of the 1955 Red Wings that won the Stanley Cup. Mesdames, Messieurs, Marcel Pronovost. Il a connu une fabuleuse carrière avec le Canadien, inscrivant 371 buts en 766 rencontres. Il a popularisé l'usage du lancer frappé, d'où son surnom. This Hall of Famer was one of the most popular and spectacular players of his era. Mesdames, Messieurs, Bernard Boum Boum Geoffrion. Sa légende a traversé les générations et ses exploits lui valent encore aujourd'hui, 35 ans après sa retraite, d'être le meilleur marqueur de but de l'histoire du Canadien. 35 years after he retired, he is still the leading scorer in Canadian's history. Forever, he will be the Rocket. Mesdames, Messieurs, Maurice Rocket Richard! For the presentation to the Red Wings of a picture representing the two team jerseys surrounded by the signatures of all players participating to tonight's game. Le Canadien est heureux de marquer l'occasion en offrant aux Red Wings ainsi qu'aux anciens honorés ce soir une photographie unique. Alors voilà, Eiserman et Keane, les capitaines qui représentent chacun leur formation, sont au centre de la patinoire pour les poignées de main traditionnelles, bien sûr, et pour remettre... ce que vous apercevrez peut-être à droite de l'écran, voilà un tableau qui a été autographié pendant l'écusson des deux formations, autographié par les joueurs de chacune des deux équipes. Et quel applaudissement chaleureux pour Maurice Richard, ça fallait s'y attendre, mais pour Bernard Geoffrion, moi, je suis content. Oui, et là, Claude a subi une importante, délicate intervention chirurgicale il n'y a pas tellement longtemps, Bernard Geoffrion. J'ai eu l'occasion de converser avec lui il y a environ quelques semaines. Il était de passage au forum pour une promotion et il se disait en parfaite santé, ça allait très, très bien, bonne récupération. Ça a toujours été un personnage très coloré. L'an dernier, Claude, il était un analyste au réseau Sports Channel pour les matchs des Devils, des Islanders de New York, pardon.
Il était vraiment flamboyant. On l'a vu également pour les Devils de New Jersey. Et il adore encore le hockey. Il demeure à Atlanta. Il disait l'autre jour qu'il n'a jamais reçu autant d'appels de la part d'amis qu'il avait perdus en cours de route pour les Jeux d'Atlanta. Il a été intronisé au Temple de la renommée, Bernard Geoffrion, en 1972. Monsieur Maurice Richard en 1962. Marcel Pronovost en 1978. Voilà une poignée de main d'un ancien coach, ancien instructeur du Canadien de Montréal. Et il a serré la main à Mario Tremblay. Il a, entre autres, dirigé également les Flames d'Atlanta et les Rangers de New York comme entraîneur. Les gardiens de but maintenant. Alors, c'est une surprise. On s'attendait à ce que Chris Osgood soit devant le filet des Red Wings. C'est Mike Vernon qui est là. 4 victoires, 4 défaites, 1 match nul. Moyenne de 3,10. C'est lui qui a battu les Mighty Ducks de Anaheim hier soir à Détroit. Et Chris Osgood avait très bien joué contre le Canadien mardi. Ne l'oublions pas, Patrick Roy est devant le filet. Il est de retour après avoir cédé à sa place à Pat Jablonski à Saint-Louis. 12 victoires, 8 défaites, 1 match nul. Excellente moyenne de 2,59 et moyenne d'efficacité de 917. Johnson et Koivu pour la mise en jeu gagnée par Koivu qui est passé à Racine, à Quintal et Racine. Quintal qui n'était pas du dernier match. C'est dans sa place à Kiprusov qui est incommodé par la grippe. Voici Lidstrom. Relais pour Johnson, c'est perdu. Quintal à son tour perd la rondelle. Voilà un relais pour Primo. Deux contre un avec Johnson et belle passe coupée ici par Racine. Beau jeu défensif et aussitôt c'est Quintal qui remet en zone neutre. Début de dispute, McCarthy et puis Stevenson. Jette les gants, je te dis, voilà, c'est fait. Viens te prendre, mon garçon. Et même les coudes de McCarthy semblent habitués au combat. Oui, bien, Scotty Bowman le disait, son arrivée au Forum ce soir, qu'il s'attendait à un match robuste. Le Canadien qui veut venger son échec subi à Détroit mardi, parce qu'à Détroit, il n'y a pas eu tellement de grabuge. Mais on connaît la stratégie de Mario Tremblay. Il veut provoquer des choses après une séquence de 4 matchs en défaite, sans victoire, pardon. Et on sait que le Canadien est une des équipes les plus punies du circuit. Il vient au troisième rang à ce niveau. Oui. Bon, et là, tu vois ici comment on a réussi au fil des dernières semaines à contourner le règlement de Rob Ray. Tu te souviens que Rob Ray lui enlevait son chandail, ses épaulières. C'est un règlement. Maintenant, on n'a plus le droit de le faire. Sinon, c'est une pénalité de 2 minutes. Mais là, on a des équipements, des chandails beaucoup plus grands, ce qui permet aux joueurs de se libérer et d'avoir en plus une plus grande liberté de ses mouvements. Ça, c'était le cas pour Darren McCarthy que l'on voit actuellement en prise avec Turner Stevenson. Et ça, Yvon, ça va faire compétition aux danseurs Chippendale. Si ça continue. Oui, mais si tu avais vu Rob Ray l'autre jour après sa bataille contre Tony Twist, il avait le visage stupéfié. Ah ouais. Oh, c'est incroyable la raclée qu'il a subie contre le joueur des Blues de Saint-Louis. Mais je me demande ces gars-là s'il va leur rester de l'énergie pour la fin du match. Ils se sont littéralement vidés. Mais ça, c'est pas tellement grave pour Bowman et pour Mario Tremblay, en autant que ce ne soit pas Pierre Turgeon ou encore Steve Yzerman ou Sergei Fedorov. Parce qu'il ne faut pas oublier du côté de Bowman qu'il a également Stu Grimson dans la formation ce soir. Oui. Ça, c'est un autre dur à cuire, hein, qui en a vu d'autres. Mais par contre, il y a Brashear dans le clan du Canadien qui peut faire face à la musique lui aussi. Alors, on va voir comment le tout a commencé. Il y avait une mise en échec le long de la rampe d'abord. Après ça, ben, c'est Quintal qui allait s'en mêler. Quand il a vu que Stevenson était à proximité, il s'est dit « je m'en occuperai pas ». Mais je trouve que c'est une bonne réaction de la part d'un joueur de l'équipe qui visite. Mais McCarthy sait très bien, lui, que son équipe a joué hier soir. On peut imposer le rythme dès le départ. On avait vu Keith Primeau s'amener très tôt dans le territoire du Canadien en échec avant. Alors, on veut imposer le rythme du côté de Bowman tout de suite dès le départ. 5 minutes chacun pour s'être battu, donc, à McCarthy, Darren de son prénom, et puis Turner Stevenson, qui a frappé quelques fois sur le casque de McCarthy. Dangereux de se briser les jointures, mais quand on a des dents, des mains de ciment, ils vont, c'est pas bien grave. Heureux de revoir Carey Fraser de retour. Il a disputé, travaillé son premier match mardi les Islanders à Long Island. Il a subi une intervention chirurgicale à un genou, a été absent pendant 4 semaines. C'est sans contredit, à mon avis, en tout cas, le meilleur arbitre de la Ligue nationale. Aucun lien de parenté avec Scott Fraser qui a été rappelé de Fredericton. Non. Alors, Danfous et Fyodorov qui est là avec Larionov, Koslov, Fetisov et Konstantinov. Le quintet russe est sur la patinoire. Attendez-vous à ce que ça tourne. Ça ressemblera peut-être à un film de Lelouch. Voici Popovic. Popovic rendu dans le coin, mis en échec par Fetisov. Konstantinov qui plaque Petrov. Là, maintenant, c'est Fetisov qui harponne la rondelle du côté de Fyodorov.
Voilà Fiodorov qui décampe flanc droit. Entre en zone adverse. Vure filet la rondelle au centre, choisit de conserver. Prise droit, le met en échec. Rondelle libre prise par Koslov qui était derrière. Koslov maintenant amorce le viraillage, mais finalement, ben, c'est Danfous qui y met un terme très tôt en poussant la rondelle à l'autre extrémité. On reprend derrière le filet de Mike Vernon. La passe en plein centre, très longue. C'était pour Fiodorov. Pour Larionov de l'autre côté, dans la gauche. Abandonne le disque pour Fetisov. L'angle est mince, il tire, c'est bloqué par Roy. Rondelle poussée dans l'enclave. C'est Petrov qui l'intercepte. Akin et Danfous. Voilà Danfous. Rentre en zone adverse sur un jeu en croisé avec Keane. Conserve l'angle est beau. Il lance, c'est bloqué par Vernon. Il a vu une petite ouverture. Aussitôt, il en a profité. Voilà Malakhov maintenant. Malakhov du centre, il va d'un tir du poignet pour permettre à Mario Tremblay de compléter ses changements amorcés plus tôt. 0 à 0 toujours. Du côté droit, c'est Bergevin qui pousse la rondelle vers Eiserman, vers Dandunau. Dandunau maintenant, une passe et c'est devenu un tir au but que Roy fait dévier. Mais sur le point d'appui, c'est Coffey qui a essayé de reprendre. Il savait qu'il était hors jeu. Ricky harponne la rondelle au centre pour Turgeon. Voilà Turgeon qui se faufile. Essaie une passe, mais Coffey n'a jamais lâché prise. Et la surveillance, voilà Coffey. La passe qui rend Malakhov sur le point d'appui gauche. Le tir qui rate la cible, c'est devenu un relais que Ricky tente de rediriger, n'y arrive pas. Turgeon derrière le but est mis en échec par Bob Airy. Airy est écrasé par Turgeon sur la rampe. C'est Coffey qui reprend et dégage jusqu'au centre. 0 à 0 avec 17 minutes 39 à jouer. Malakhov est mis en échec ici en essayant d'arrêter Dandunau. Rondelle prise par Draper. Draper qui perd le disque recouvré par Oldline. Sa passe interceptée ici par Rouse. Son relais à lui reste libre. Dégagement annulé ici par Grimson. Le tir qui rate le filet. La rondelle est prise par Malakhov. Malakhov tente une passe dans les airs. C'est la pointe qui l'a coupé avec la main. Heureusement, Malakhov l'a mis en échec. Sinon, la pointe rentrait rapidement chez le Canadien et prenait Malakhov en position. Là, maintenant, on s'accroche à qui mieux. Il y aura pénalité, oui. On l'a bien vu. Si moi, je l'ai vu, Fraser est encore plus près. Alors, imaginez. Oui, ça ne laisse aucun doute, sauf qu'on a vu tout de suite Malakhov s'impliquer dès le début de sa première séquence sur la patinoire. Il a plaqué Martin Lapointe. Mais lorsque Lapointe est revenu dans le territoire, Valérie Bourré s'est amené, lui, et il y a eu accrochage. Vous voyez ici l'accrochage de Valérie Bourré à l'endroit de... Draper qui était là. Et ensuite, Kerry Fraser n'a pas d'autre alternative que d'imposer une pénalité. Et quand on parle de pénalité, bien du côté des Red Wings de Détroit, tu vas voir l'autre, Niklas Lidström, qui connaît une saison formidable. C'est le numéro 5, un défenseur suédois sur qui on fonde beaucoup d'espoir. Il est le meilleur marqueur des Red Wings en supériorité numérique. Il a marqué un but, mais 11 mentions d'assistance pour 12 points. Vous voyez Lidström. Et selon Scotty Bowman, il devrait, pour le premier quart de la saison, être parmi les candidats au trophée Norris. Et voilà qui rentre dans le plan de match de Scotty Bowman, profiter des avantages numériques, des pénalités qu'il provoque chez l'adversaire. Hein? Oui. Et là, tu as Primo sur la patinoire. Lui, on va lui demander d'aller devant le filet. Et Dieu sait s'il en trouve du terrain avec le gabarit qu'il possède. Larionov s'approche. Il lance, partie supérieure. Roy fait l'arrêt. Il prend son retour et compte. Oh, oh! Alors, je vous disais que Primo serait placé devant le filet. Il a considérablement gêné le travail des défenseurs du Canadien sur cette séquence. L'ouverture s'est créée pour Igor Larionov, qui connaît un regain de vie extraordinaire avec les Red Wings. Alors, observez Primo ici. Quintal va se diriger vers le porteur du disque, mais là, il doit rebrousser chemin. Il accorde le lancer à Patrick Roy, protège bien le devant du filet avec Primo. Mais là, Patrick a donné un retour et Larionov a saisi, lui, pour marquer le premier but du match. Vous voyez le retour qui est accordé par Patrick Roy. Et là, on a enfilé l'aiguille. On ne peut pas blâmer Quintal sur ce jeu. Son travail, c'était d'éliminer Keith Primo. C'est ce qu'il a fait. Eh bien, voilà une première pieuvre qui est lancée à Montréal. Les Wings sont en ville. On pourra peut-être rapporter cette pieuvre à Détroit. Pourquoi pas? Oui, elle doit coûter moins cher en dollars canadiens. C'est vrai, puis un bon sushi en partant. Je pense que ça coûtait pendant les séries, Claude. C'était, je pense, 17,95 $ la livre. Hein, la livre, oui, monsieur. Ça remontait à 35 $ le kilo. Oui, quelque chose du genre. Oui. C'est assez considérable. Puis on en a lancé des très lourdes. Alors, le septième de Larionov, donc, qui donne les devants 1 à 0, but marqué en avantage numérique pendant la pénalité à Valérie Bourret, qui est sur la patinoire. Vers la rondelle, c'est Coffey qui passe à Marc Bergevin en retrait. C'était pour Coffey qui ne l'attendait plus. Échec avant qui est très efficace de la part de Bourret. Maintenant, c'est Fraser qui met en échec son vis-à-vis qui était la pointe. Ça permet maintenant à Johnson de recouvrir le disque. Sa passe est harponnée par Koivu. Elle lui revient, tombe à ses pieds. Finalement, il la cède à Bourret qui déjà
avait un joueur sur le dos. Draper recouvre et s'en va derrière le filet et abandonne le disque là. C'est pour Coffey. Voilà la longue passe. Précise, c'était pour Johnson, mais Oldline s'est vite révisé. Là, finalement, c'est la pointe qui essaie de passer devant le filet, mais personne pour recevoir et compléter sa manœuvre. Contre-attaque de Koivu à 2 contre 2 avec Fraser. Le tir parti supérieur, ça a été dévié par Bergevin chez les spectateurs. La soirée du hockey Molson se poursuit dans un moment sur SRC Sport. Alors, comme je vous le mentionnais, Claude, les Red Wings ont joué hier. Le Canadien, lui, attendait les Red Wings. On a apporté quelques modifications. Vous voyez Fraser qui est là et Conroy. Turgeon et Recchi avec Fraser. Ça, c'est Mario Tremblay l'a annoncé hier. Mais ça ne sera pas le cas. Je pense que c'est Savage qui va jouer avec les deux joueurs. Il voulait tout simplement, lui, dérouter ou du moins tenter de dérouter Scottie Bowman. Tout à fait, parce qu'on sait que les rapports courent vite. Voici Popovic qui intercepte un relais de Kozlov. La rondelle lui revient. Kozlov la renvoie derrière le filet de Roy. Prise là par Brisebois qui essaie de passer à Petrov. Déjà, Konstantinov était à ses pieds ou sur son dos. Finalement, ben, c'est Popovic qui recouvre. Popovic qui passe à Brisebois. Brisebois vers Petrov, pivote vers la rondelle lorsque mise en échec par Konstantinov. Larionov récupère, c'est lui qui a marqué le premier but. Vers Fyodorov et Kozlov, le tir en tombant. Et Roy qui place la jambière pour faire l'arrêt. Oh, c'est venu bien près encore une fois. 1-0 Détroit. J'espère qu'on a pu voir toute cette séquence se développer. Lorsque les Red Wings ont complété cette transaction avec les Sharks de San Jose pour obtenir Larionov en retour de Ray Shepard, Fyodorov a dit à Scottie Bowman, je vais jouer, moi, sur le flanc droit gauche, parce que là, on vient d'obtenir une idole de jeunesse pour moi. Larionov, pour lui, c'était le joueur qu'il a toujours surveillé en Union soviétique, l'ex-Union soviétique. Et la raison pour laquelle ces joueurs-là sont très dangereux, vous allez voir ici, vous avez vu à la gauche de l'écran, Fetisov, lui, quitte sa position de défenseur. On le fait régulièrement pour venir appuyer l'attaque. Voici Yves Racine, du côté gauche. Racine rattrapé par Johnson qui lui fait perdre la rondelle au profit de Primo qui passe à Eiserman. Eiserman tire, touche l'extérieur du but. Rondelle recouvrée par Quintal. Quintal devant lui pour Recchi. Recchi du côté de Turgeon, mais Savage s'était compromis. Lui qui réclamait la passe en passant entre les deux défenseurs, mais on a choisi de l'autre côté finalement. Quand on parle d'une équipe qui est bien nantie, on parle de joueurs talentueux, bien entendu, chercher le nom de Dino Ciccarelli n'est pas là. Il n'est pas dans la formation ce soir. Il n'a pas joué contre le Canadien mardi dernier. Il était de la rencontre contre les Mighty Ducks hier soir, sauf que Bowman a tout simplement dit à Ciccarelli après le match, tu demeures à Détroit. Ce qui va survenir dans son cas, bien, on tente actuellement de l'échanger. C'est une question de semaine, a dit Bowman. On va lui trouver un autre endroit, mais il ne figure plus tellement dans nos plans à nous. Grand Bowman. Oui. Voici Lidström. Une passe pour Eiserman. Tout le monde s'offre en cible. On se démarque bien. Mais là, c'est Dandenau qui avait trop faim. Alors, afin d'un deuxième but contre Patrick Roy, il en avait marqué un à Détroit il y a quelques jours. Voilà un joueur que moi, je considère très honnête parce qu'en début de saison, on l'envoyait environ partout. Une dizaine d'équipes. Et regardez le genre de rendement qu'il donne aux Red Wings. Il a été une figure dominante dans les deux premiers mois de la saison. Et Bowman lui a dit l'autre jour qu'il jouait de la même façon que Jacques Lemaire à ses belles années avec le Canadien. Belle comparaison. Oui. Flatteuse, en plus. Voici Rouse, le lob, qui tombe derrière le filet de Roy, pris là par Quintal, maintenant. Voilà Quintal pour Turgeon. La sortie est belle. Turgeon du côté droit, devant Lidström, essaie de couper vers l'intérieur, de le contourner maintenant, perd la rondelle que Recchi recouvre. Recchi, maintenant, cherche quelqu'un qui passe, voit l'ouverture, il tire, et Turgeon a été incapable de prendre le retour, mais il l'enlève à Dandenau. Là, il s'approche et il a visé du côté gauche, a effleuré la mitaine de Vernon, la rondelle dévie hors cible. Derrière le but, c'est Savage. Savage, maintenant, plaqué par Rouse, qui l'écrase sur la rampe. Voilà Turgeon qui recouvre. Turgeon tente une passe que personne n'a pu compléter. Il y a eu interception de Dandenau qui a remis à Steve Eiserman. Eiserman rentre en zone adverse, accueilli par Racine, qui l'a lui fait perdre. Voilà Savage, il lance et Vernon qui fait l'arrêt. Le retour est long, Lidström récupère, mais ne peut faire de passe. Savage, relais arrière qui est intercepté par Keith Primo. Voilà Primo qui décampe du côté droit. Primo qui arrive devant Malakhov. Coupe vers le centre, remet à la pointe. La pointe qui est amenée sur la rampe aussitôt par Koivu. Là, c'est Savage qui intervient. La pointe à nouveau ne lâche pas prise. On frappe sur la rampe. C'est Primo qui récupère. La passe à Bergevin. Le tir bloqué par Roy. Il n'y a pas de retour.
On s'est vite projeté vers le gardien de but pour essayer de prendre un retour qui n'est jamais venu. C'est 1-0 pour les Red Wings de Détroit avec 13-31 à jouer dans cette période. Soyons clairs et précis. À votre Canadian Tire, vous trouverez des bas prix garantis tous les jours. Si jamais vous trouvez un meilleur prix ailleurs, nous l'égalerons. C'est garanti. Alors, Patrick Roy, lui, connaît toute une séquence contre les Red Wings de Détroit. Quand on regarde son bilan en carrière contre cette équipe, 13 victoires, 4 défaites et un match nul. Mais il sait très bien, il l'expliquait hier, quand vous jouez Détroit, vous jouez trois styles différents. Le style de Larionov, vous jouez contre le style de Steve Yzerman et contre le style de Keith Primeau. Les Red Wings ont vraiment trois options en attaque. Hein? Larionov et les quatre autres joueurs russes, c'est permutation de position. Dans le cas de Steve Yzerman, on l'a mentionné, il joue comme Jacques Lemaire, donc on ne prend aucune chance défensivement. Et avec Keith Primeau, bien là, tu as un pitbull national à Détroit, un joueur extrêmement intense, va appliquer des mises en échec. Et lorsque tu es un défenseur et que Primeau est sur la glace, Claude, garde la tête haute. Oui, on en a peur de Primeau, et pour cause. Voici Coffey, rejoint par Stevenson, qui le met en échec. Malakhov récupère la rondelle derrière le filet de Patrick Roy et sort du côté droit. Une passe qui va à Stevenson. Une autre vers Fraser. Fraser est attendu par Coffey qui la lui fait perdre, mais c'est aussitôt recouvré par Koivu qui freine. Et la passe de Barreau! Il a de bonnes mains, ce Fraser. Il est rapide sur la gâchette. Voilà encore Koivu. C'est une question de temps avant qu'il ne marque son premier but. Voici Stevenson. Stevenson est mis en échec dans le coin. Conserve la rondelle. Là, maintenant, c'est Primeau qui s'implique aux dépens de Stevenson et Koivu qui perd à Coffey. Et voilà le dégagement jusqu'au centre. 1-0, Détroit, Malakhov à la rondelle. Une passe pour Lyle Oadline. Oadline qui lance le disque en zone des Wings. C'est pris par Kozlov. Kozlov, un relais dans les airs, capté par Fyodorov. L'ouverture, il la voile et il tire, il en profite. Mais Roy a fait un bel arrêt là-dessus, sur un tir voilé. Voici Keane, rattrapé par Larionov, peut-être le seul droitier du quintet. Non, il est bel et bien gaucher. Parce qu'ils sont tous gauchers, il n'y en a pas un droitier là, sur le groupe. Constantino. Voilà. Merci. Là, c'est Larionov. Une passe. Il n'a pas possibilité de passer. Il choisit de conserver. Contourne. Fait un 180 degrés, c'est-à-dire. Et réussit à remettre en zone neutre. Petrov qui plaque Kozlov. Ça permet une sortie, mais Danfous en profitera. Fyodorov ne l'entend pas ici. Brisebois non plus. Finalement, la rondelle est perdue. C'est Larionov qui passe à Constantinov, le droitier dont on parlait. Il tire. C'est le droitier qui rentrait à gauche. L'angle était beau. Finalement, Constantinov reprend. Une autre passe que Fyodorov redirige vers Roy. Oh, voilà une autre! Kozlov qui meurt! Bon! Ils en avaient plein les bras. Bah, on regardait travailler les cinq joueurs. Rappelle-toi l'équipe de l'Union soviétique ou encore de l'Armée rouge. C'était de la même façon. Larionov aurait pu envoyer le disque profondément dans le territoire du Canadien. Il a rebroussé chemin. On a relancé l'attaque par la défense avec le résultat que vous venez voir. Défense complètement confuse. Vous voyez ici chez le Canadien, on cherche à surveiller un joueur, Popovic. Finalement, Brisebois veut s'en aller vers le porteur, hésite. Et du même coup, il oublie à l'embouchure du filet Kozlov. Voyez le geste posé par Brisebois. Il voulait aller vers le porteur, mais là, au même moment, il oublie Kozlov qui passait, lui, à l'embouchure du filet. Et quel jeu de la part de Larionov. Il aurait pu opter pour un tir, il était dans l'enclave, mais Kozlov était tout à fait seul, lui a refilé le disque, et les Red Wings se donnent une avance de 2 à 0. Le huitième de Kozlov sur des passes de Larionov et Constantinov à 8 minutes 21 secondes en première période avec 11 minutes 34 à jouer. La soirée du hockey Molson se poursuit dans un instant sur SRC Sport. C'est pas un début de match que souhaitait Mario Tremblay. Hein. Sa stratégie était pour effectuer de l'échec avant dès le départ, profiter du fait que les Red Wings étaient rentrés tard cette nuit. Mais il y a eu pénalité à Bourret. Les Red Wings ont marqué. Ça change complètement la tournure des événements. Tout à fait. Voici Turgeon du centre. Pousse le disque derrière le filet de Mike Vernon. Là, c'est Rouse. Il y aura pénalité pour obstruction. Oui. Et on a vu le geste de Carey Fraser. Il dit aux joueurs des Red Wings, à Keith Primeau, écoute, mon vieux, c'est ça le règlement, l'interprétation du règlement. Lorsque la rondelle est derrière le filet, si l'adversaire se dirige vers le disque et que le joueur crée de l'obstruction, tu dois te retrouver au banc des pénalités. Mais les arbitres ne sévissent pas tous. Hein? Puis, après Gretzky, le mieux s'en est mêlé. Absolument. On lit les journaux. Il
ils n'ont pas la même interprétation parce qu'ils sont parfois trop loin du jeu. Carey Fraser est un meilleur patineur que certains arbitres de la Ligue nationale. Il a très, très bien vu tout ce qui s'est déroulé. Par contre, ceux qui sont assez rapides manquent d'expérience. Oui. Alors, on tourne en rond. Ça va. Voici Roy derrière son but. Place le disque pour Malakhov. C'est Primo qui a été pris en défaut. Il y a avantage numérique pour le Canadien. Malakhov. Il va d'une sortie vers le centre. Pousse la rondelle en zone adverse. Pour Brisebois qui abandonne son poste. La redirige vers Savage. Savage vers Ricky, vers Savage. À la droite de Vernon. De l'autre côté pour Malakhov. Le tir. Oh! C'est toujours finalement Ricky qui parvient à pousser la rondelle dans le but. Oh, oh! Vernon s'en veut. Mais tout un jeu de la part de Malakhov. Il était au point d'appui. Il aurait pu opter pour un tir. A aperçu à l'embouchure du filet, c'était Mark Ricky. Et il lui a destiné une passe parfaite. Alors, on va observer comment le jeu s'est déployé. Tout d'abord sur le flanc gauche, c'est Savage qui s'empare de la rondelle. Vous voyez Malakhov, il est en maraude. Va finalement attendre le disque. La passe en direction de Turgeon. Et finalement, Ricky va saisir le retour. Très, très beau jeu de la part de Malakhov. Passe parfaite. Tu vois ici d'un autre angle comment tout s'est déroulé. Et là, Vernon pose le premier geste. Il aurait fallu que Lidström s'amène beaucoup plus rapidement pour freiner Pierre Turgeon. Ça ne s'est pas produit. Et le Canadien qui rétrécit l'écart à un seul but. Est-ce que Ricky a bel et bien touché à la rondelle ou au bâton de Vernon? Attendons voir ce que l'arbitre Carey Fraser a vu. Eh bien, c'est Ricky qui sera crédité du but. Voici Coffey. L'écart n'est plus que d'un but à 9 minutes 12 sur des passes de Malakhov et Turgeon. Brashear met son vis-à-vis en échec. Grimson est là pour plaquer Koivu. Ça permet la sortie de Draper qui rentre dans la droite. Draper derrière pour la pointe. Le tir bloqué par Roy. Le retour aussitôt. Il a, grâce à l'arrêt en papillon, a pu faire un autre arrêt. Deux consécutifs sur des tirs très menaçants. Stevenson ici accueilli par Draper avec une bonne mise en échec. Voilà Racine. Racine rendu dans le coin. Perd la rondelle recouvrée par Koivu qui est venu lui prêter main forte. Koivu, on l'a lui fait perdre. Coffey récupère. Sa passe sera interceptée par Donald Brashear en zone neutre. De là, il tire chez les Wings. Aussitôt, c'est Bergevin qui sort de chez lui. Voilà la passe pour Fiedorov qui a été freinée par Turgeon. Fiedorov plus loin pour lui-même. Ce sera pris par Kozlov. Le voilà dans le coin. Kozlov ne lâche pas prise, conserve. S'élance le tir du Quintal, voilà la vue à Roy. Et si je ne m'abuse, Claude, la rondelle a dévié sur le bâton de Patrick avant de se retrouver dans le haut du filet. Et Mario Tremblay a raison de ne pas être très heureux. Autre revirement en territoire défensif. Vous voyez comment on travaille le long de la clôture. Surnombre défensif, finalement, c'est le joueur des Red Wings qui sort avec la rondelle. Il y avait là Racine et également Pierre Turgeon. Aucune raison au monde que les Red Wings doivent sortir avec la rondelle. Et Patrick Roy, lui, juge très mal ce tir. Il y avait également, comme tu le mentionnais, la présence de Quintal devant lui. Eh bien. Il avait raison de s'inquiéter ce matin, Mario Tremblay, lorsqu'il parlait de la façon dont son équipe se comportait en territoire défensif. La rondelle a dévié sur le bâton de son propre coéquipier. Oui. 3 à 1. Marc Bergevin obtient une mention d'aide sur ce but, tout comme Fedorov sur le 9e de Kozlov à 10 minutes 13. Voici Danfous, autre écart de 2 buts. Il tire derrière le filet de Vernon. Vernon sort de son but. Depuis l'arrière, fait une passe que Danfous parvient à intercepter, mais sa passe à lui est prise par Konstantinov. Relais aussitôt pour Fedorov. Fedorov en zone adverse avec Fetisov. Le tir qui rate le coin droit est de beaucoup. Là, la rondelle qui revient vers Keane. Aussitôt, il la sort de chez lui pour Petrov. Il harponne plus loin pour lui-même. Petrov est rapide. Larionov le rattrape. Les deux coulent. C'est Danfous qui intervient. Pousse la rondelle sur le flanc pour Stevenson. Vers Danfous maintenant. Danfous revient sur ses pas. La passe devant. Mais elle est mise hors de portée de Stevenson par Vernon lui-même. Konstantinov, ou plutôt Fiodorov, qui tire près du filet de Roy. Des changements portés par Bowman et amorcés par Mario Tremblay. Malakhov conserve au passage de Koivu. Le voilà qui attire Dandino. Sa passe interceptée par Lidström. La sienne par Oldline. De là, les murmures chez les spectateurs. Mauvaise passe. Voilà une passe qui est dirigée vers Koivu. Une autre pour Fraser. Fraser à la poursuite du disque. Annule la passe de Vernon. Koivu qui pivote, mais en tirant, rate la cible. Ça revient à Oldline, dont le tir est bloqué par Steve Yzerman.
qui passe aussitôt à Mathieu Dandeneau. Dandeneau rentre en zone adverse du côté droit. Dandeneau remet devant et dans sa glissade, ben, Fyodorov n'a pu capitaliser. On s'arrête pour une pause. C'est 3 à 1 pour les Red Wings à 8 minutes 3, la fin du premier tiers. Oui, Malakhov sur cette dernière séquence, mais l'erreur vient de Fraser ici. Il devrait couper vers le centre de la patinoire. Il ne le fait pas. Alors, voyez ici comment les Red Wings vont déployer leur défensive. Le joueur ne vient pas vers le porteur de la rondelle, de sorte que lui doit passer le disque. Là, il avait 3 joueurs devant lui. Il ne voyait que les numéros. Alors, c'est assez difficile de faire une passe précise. Tout à fait. Un joueur soviétique ou un joueur russe, ils ont été élevés dans un système où on vient encadrer le porteur de la rondelle. Et c'est ce que font très bien, d'ailleurs, Larionov et compagnie. Pénalité mineure double à Oldline et Airy. Donc, on va jouer avec des formations réduites. Primo est là avec Johnson, Coffey, Lidstrom. C'est Koivu qui se charge de la mise en jeu. Il jouera avec Danfous, Malakhov et puis Quintal qui passe à Malakhov. Relève vers Danfous, c'est long. Lidstrom intercepte. En repli, a remis à Coffey, à Lidstrom. Devant Danfous, c'est pour Coffey. La passe de Coffey était pour Primo, mais c'est Quintal qui l'intercepte. Voilà Koivu maintenant. Oh, il a perdu la rondelle en tentant de contrôler devant le banc des Wings. Contre-attaque de Johnson. Déjoue Danfous, perd la rondelle, s'arrête, reprend. Là, il laisse Coffey s'avancer. La passe a été ratée. Elle passait par-dessus le bâton de Coffey qui aurait eu beau jeu là-dessus. Voilà Koivu, protège bien le disque, essaie de remettre à Danfous, qui était légèrement en retard sur le jeu. Voici maintenant Coffey en retrait. Une passe qui va à Lidstrom, une autre pour Primo du côté droit. À nouveau pour Lidstrom. Rentre, passe entre ses propres jambes, se retourne pour la compléter. Et finalement, ben, c'est Lidstrom qui viendra chercher cette deuxième passe dans le coin. La cède à Primo qui la perd à Turgeon, aussitôt remet à Popovic. Des changements apportés par Bowman. Voilà Quintal pour Ricky, maintenant pour Turgeon. Turgeon qui perd, Ricky reprend. Ricky s'avance, s'approche, contourne le but, rendu dans le coin gauche. Maintenant le relais devant pour Brisebois qui venait d'abandonner son poste, mais c'est finalement Eiserman qui a mis un frein à la poussée de Brisebois, qui avait bien calculé cette aventure en zone offensive. Finalement, Lidstrom bataille le long de la rampe, réussit à remettre à Eiserman. C'est harponné plus loin et ce sera intercepté par Larionov. Il applique les freins. Là, il sort du côté gauche avec une passe pour Konstantinov. Une autre pour Draper. Draper vers Eiserman, loin de son profit. C'est Popovic qui intercepte. Il a réussi à le devancer de plusieurs foulées. La Brisebois devant Draper, remet à Ricky. Là, maintenant, c'est repris en zone neutre. Là, c'est Eiserman qui profite d'un changement au bord du Canadien. Le tir de loin a été bloqué par Racine, mais c'est Fyodorov qui prend le retour abandonné. Fyodorov tire, ça a été dévié par Quintal. Voilà Fetisov. Une passe pour Fyodorov. Fyodorov maintenant conserve la rondelle, la pose plus profondément en zone du Canadien. Ce sera intercepté là par Quintal. Les pénalités mineures doubles sont terminées. Voici Danfous. Au centre, une passe qui va à Petrov. Petrov déjoue Kozlov vers la rondelle. Là, c'est Kozlov qui repart. Kozlov qui passe à Fyodorov. Le volant en zone adverse avec un relais qui va vers Larionov. S'élance, le tir est dévié à l'extérieur par Quintal. On le sentait craintif sur le jeu. Là, c'est Danfous qui remet à Petrov. Petrov essaie de couper vers l'intérieur. Kozlov ne veut pas le laisser faire. Et finalement, ben, c'est un dégagement de Kozlov qui essayait de faire une passe sur son point d'appui. C'est 3 à 1 pour les Red Wings. Voici Racine qui recule. Une passe qui va à l'outline. Une autre pour Racine en retrait. Sort de chez lui. Court relais pour Danfous, une autre passe pour Petrov. Petrov qui perd la rondelle. Kozlov la lui enlève et la pousse en zone neutre. C'est intercepté par Vladimir Malakhov. Oh! Il y avait un mauvais changement en ligne défensive. Encore la foule qui fait entendre son mécontentement vis-à-vis Malakhov. Rondelle qui revient vers Rouse qui intercepte et passe à Lidstrom. Aussitôt pour Johnson. Johnson maintenant. C'est le trio des pitbulls là, maintenant, M. Benno qui est sur la glace. Attention, ça peut mordre. Et finalement, Roy leur met une muselière et on arrête ça là. La soirée du hockey Molson se poursuit dans un instant sur SRC Sport. Steve Yzerman, Claude, a connu 6 saisons consécutives avec 100 points et plus. Mais regarde son travail en défense. Ici, il vient contrer Patrice Brisebois. N'a jamais regardé la rondelle jusqu'au moment où la rondelle est apparue sur le bâton de Brisebois. Ensuite, pas de jeu de finesse. Hein? Derrière son filet, c'est pas dangereux de ce côté-là. On ne donne pas de chance de marquer à l'adversaire. Hey, les Russes, ils ont accumulé 7 points en première période jusqu'à maintenant. Kozlov a 2 buts, 2 passes pour Fyodorov, 1 but, 1 passe pour Larionov et une autre passe pour Konstantinov. Voici, quelqu'un doit dire à quelque part, Datsenov.
Voilà une passe que Primo essayait de rediriger sur le gardien Roy en pivotant. Il a raté la cible. C'est McCarthy en repli. Une passe qui va jusqu'à Primo. Primo revient sur ses pas, se retourne. Là, il est poussé sur la rampe par Oldline qui doit pousser fort pour l'écraser sur la clôture, celui-là. C'est un costaud. On en parle souvent. McCarthy tombe au pied de Malaroff. Malaroff qui a été hué, mais tout à l'heure, Yvon a trouvé une raison pour laquelle le public n'avait pas droit de le huer lorsqu'il a fait une passe en retrait. Il devait avoir quelqu'un. Ben oui, il n'y avait personne. Croyez-vous maintenant. Il est amené par Rouse sur la rampe, ce qui permet à Stevenson de reprendre et remettre à Popovic, dont le tir faible a été bloqué par Vernon. Fraser met Lidstrom en échec, reprend la rondelle, l'abandonne derrière lui, c'est pour Koivu. Là, il a perdu. Lidstrom est plaqué par Stevenson. Voici Primo du centre. Il est rappelé au banc par Scotty Bowman et s'est empressé de tirer en zone du Canadien. Voici Popovic. Une passe pour Ricky. La difficulté à compléter le relais. Dégage ensuite. Et finalement, ben, c'est refusé à la troupe de Mario Tremblay. Je voudrais donner suite, Claude, alors qu'on aperçoit le casque de Malaroff, au nombre de points que tu mentionnais récoltés par les trois joueurs soviétiques ce soir. Avec l'équipe de l'Armée rouge, voici le rendement de ces joueurs-là. Fetisov, Larionov, Konstantinov et Fiedorov. Ils ont eu l'occasion de jouer une ou deux saisons ensemble. Si vous ne voyez pas le nom de Vyacheslav Kozlov, c'est que lui jouait avec la formation du IMIC. C'est vrai. Alors, il ensuite s'est amené en Amérique du Nord. Vous voyez, du côté du Canadien, maintenant, il y a quelques joueurs qui ont joué avec l'équipe de l'Armée rouge. Malaroff est l'un de ceux-là. Petrov a joué 115 matchs et 3 matchs pour Valérie Bourin. Pénalité d'annoncer par Carey Fraser au Canadien cette fois. On a une passe qui est bloquée par Quintal et finalement, ben, la pénalité en différé est annoncée. C'est 3-1 pour les Red Wings avec 3 minutes 18 à jouer au premier tiers. On s'arrête pour une pause. À tout de suite. On reprend la droite de Roy. Avantage numérique, les Red Wings. Voici Konstantinov. Sa passe annulée par Keane qui n'a pu dégager toutefois. Larionov a passé à McCarthy qui remet à Fiodorov. Derrière le but, c'était pour McCarthy qui avait abandonné son poste et était rendu devant Roy. Finalement, c'est Roy qui met un terme à ce grand tournage ou viraillage, tout ce que vous voudrez, M. Penneau, mais ça tournait autour. Quand on parle de supériorité numérique, ce sont les Penguins de Pittsburgh et Patrick Roy a affronté Mario Lemieux cette semaine, jeudi, à Pittsburgh. Les Penguins ont une fiche de 34,8% en supériorité numérique. Ils ont réussi jusqu'à maintenant cette saison, Claude. 39 buts avec l'avantage d'un joueur. Il y a Buffalo qui reçoit la visite ou qui joue plutôt à Détroit, à Boston contre les Bruins. Et il y a un grand absent hein, chez les Bruins de Boston. Kevin Stevens a été retiré de la formation des Bruins ce soir. Quand on vous parlait peut-être d'un deuxième Warren Young, ça preuve de vérité, là. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Puis vous avez dit ça lorsque les Bruins sont venus ici. Exactement. Voici Fiodorov. Une passe qui va à Konstantinov. Le tir du poignet dévié par Brisebois devant. Oh! C'est McCarthy qui a remis devant. Larionov venait d'abandonner le poste à proximité du but, à l'embouchure du filet. Finalement, c'est Konstantinov qui reprend Fiodorov. Une passe qui va du côté gauche. C'est repris par Fetisov qui a remis jusqu'à Larionov. Maintenant, c'est pour Konstantinov à Fiodorov. Fiodorov cherche quelqu'un qui passait. Il y aura une place. Bien sûr pour McCarthy qui a essayé d'enfiler l'aiguille, mais Roy, oh! Il va y avoir pénalité sévère à Brisebois, là. Ouais. Double échec et il l'a blessé, il lui a fait mal. Ah, beaucoup de frustration chez les défenseurs du Canadien depuis le début du match parce que les Red Wings connaissent une période exceptionnelle. Vous allez voir ici la pénalité de Patrice Brisebois à l'endroit de Darren McCarthy. Double échec tout près de la rampe. Et ça, c'est très, très dangereux. Carey Fraser était placé dans le coin, vous le voyez. Pas question de laisser passer une telle infraction. Allons rejoindre Jean Pagé. Contre les Bruins. Voilà le premier but marqué en deuxième période à 1,56 en avantage numérique. Joseph Stumpel de Bourque et Roloff. Ensuite, Buffalo a égalé la marque, le 9e de Randy Burridge à 4 minutes 13 en deuxième période. Un but bizarre qui a déjoué Scott Bailey, qui est dans les buts pour Boston. Et à 6:49, Sean McEachern dépasse à Neely et Stumpel. Voilà McEachern qui va s'emparer d'une rondelle. Et du revers, déjoue Dominic Hasek, 2-1 donc pour Boston sur les sabres de Buffalo. On sait que Maloney a été congédié chez les Islanders aujourd'hui également.
Et les Islanders 23-0, est-ce que ça veut dire quelque chose? Oui. On lui accorde une pénalité de 5 minutes. J'avais hâte de voir quelle serait la décision de Carey Fraser, mais le livre des règlements le stipule. Lorsqu'on donne double échec près de la clôture, évidemment, Keane n'est pas d'accord, Mario Tremblay ne sera pas non plus, mais c'était bel et bien. Vous allez observer ici Brisebois qui, contre la clôture, ça ne laisse aucun doute. Alors, il est chassé du match, pénalité majeure de 5 minutes. Il perd son meilleur défenseur. Oh, un joueur qui excelle également au point d'appui pendant les supériorités numériques. Alors, d'un autre angle, vous le voyez ici. Oh! Oh! Et là, un avantage numérique de 5 minutes pour les Red Wings. Et ils joueront pour 49 secondes avec un avantage de 2 hommes. C'est le temps qui reste à la peine que purgeait Donald Brashear. Donc, 5 contre 3. Et il pourrait marquer 2, 3 buts. Bah, enfin... Du moins, plus qu'un. Ça, ben là, le Canadien est une équipe quand même qui a très, très bien travaillé depuis l'arrivée de Mario Tremblay en infériorité numérique. C'est le moment ou jamais de tenir le coup, surtout en déficit de 2 buts. Voici Lidstrom. Une passe qui va près du filet à Johnson, à Lidstrom. Donc, et le but! Quel tir! Oui, et Coffee, pas Coffee, mais Primo était devant Roy. Sauf que Claude... On a permis, on n'a pas tellement le choix, on se défend avec une infériorité numérique de 2 joueurs. On a permis à Lidstrom de s'avancer un tout petit peu. Il avait l'angle parfait, lui, pour effectuer son tir. Vous voyez, à la hauteur presque du cercle de mise en jeu, milieu du territoire, il va prendre bien son temps. On est un peu trop profond du côté du Canadien. On hésite à aller sur le porteur de la rondelle. Et finalement, on le laisse tirer de sorte qu'il va déjouer Patrick Roy, qui ne peut absolument rien faire sur le jeu. Dans quelle situation, lorsqu'une équipe tire de l'arrière, tu vois, elle est moins forcée à se porter vers le porteur du disque. Habituellement, on n'en pas vers Lidstrom et l'empêche de tirer. Il ne l'a pas fait. Parce que là, on joue avec beaucoup de crainte. On a perdu confiance et c'est ce qui se produit. Et là, c'est un but marqué avec l'avantage numérique de 2 hommes. C'était par Lidstrom, son 5e, sur une passe de Johnson et une autre de Coffey à 18 minutes et 4 secondes. Roy essayait de regarder du côté droit et Lidstrom tirait de la gauche. Voici Lidstrom encore. C'est pour Johnson. Johnson cherche quelqu'un qui passait. Attention, Coffey s'est aventuré là. Johnson revient. Coffey regagne son poste sur le point d'appui. Retourne à proximité du but pendant que Primo dribble. Réussit à remettre à Johnson devant pour Yzerman qui n'a pu en profiter. Racine maintenant. Récupère le disque. Tente le dégagement annulé par Coffey. Voilà la passe pour Yzerman. Devant un autre but! Wow! Oh, mauvais dégagement de la part de Yves Racine, Claude. On a intercepté à la hauteur de la ligne bleue et immédiatement, tu as vu de quelle façon on a déplacé la rondelle pour réussir ce but. Voyez ici, Yves Racine qui va tenter de libérer son territoire par du côté gauche. Ça ne fonctionne pas. On remet tout de suite la rondelle de l'autre côté. Et Yzerman va viser une passe à Johnson qui est placé devant le filet. Passe parfaite. Il n'y a pas de défense contre ça et le gardien de but est laissé seul à lui-même. Toute une exécution de la part des Red Wings. Est-ce qu'on va revoir Jablonski après Saint-Louis? Est-ce qu'on reste moins d'une minute. Attendons, s'il vous plaît. Et après, au retour à la deuxième période, peut-être. Peut-être, hein? Pas tout de suite. Non. Voici Fyodorov. Encore avantage numérique pour 3 minutes 35. Koslov. Une passe qui va à Konstantinov. Une autre vers Fyodorov. Maintenant, c'est pour Fedisov. Le tir qui rate le filet. La rondelle bondit sur la rampe. Revient Konstantinov qui passe à Larionov. Larionov en retrait. C'est pour Koslov. S'avance. Il visait la partie supérieure, mais Oldline a eu le temps de placer son bâton devant le sien. Voici Fedisov. Fedisov protège bien la rondelle. Le vieux Fedisov s'avance davantage. Tourne en rond. Remet derrière lui à Larionov. Larionov pour Koslov. Devant, c'était pour Fedisov, le défenseur placé devant Roy, seul. Et il reste 5 secondes à la première période. Quel dégelé. 5-1 pour les Wings. Voilà, c'est terminé cette première période et vite, on va rentrer au vestiaire. Une seule façon de résumer cette première période, c'est que le Canadien n'a jamais eu la rondelle. Sauf une fois, pendant une supériorité numérique, et il a marqué. Le reste du temps, Claude, ce sont les Red Wings qui se sont amusés. Ils ont conservé la rondelle. Ils ont offert un spectacle éblouissant au cours de cette première période. Le sommaire de cette première période vous est présenté par votre association des concessionnaires Skidoo. Passez voir les nouvelles motoneiges
Skidou. Il y a eu 6 buts au cours de cette première période. Larionov en avantage numérique à 3 minutes 10 sur des passes de Fyodorov et Coffey, son 7e de la saison. Le 8e de Koslov sur des passes de Larionov et Konstantinov à 8 minutes 21. À 9 minutes 12, Reki en avantage numérique sur des passes de Turgeon et Malarov. Ensuite, tout de suite, il y a eu une réplique à 10 minutes 13 de Koslov, son 9e de la saison, 2e du match, sur des passes de Fyodorov et Bergevin. À 18-04, Lidström en avantage numérique de deux hommes sur des passes de Johnson et Coffey, c'était son 5e. À 19-01, Johnson en avantage numérique sur une passe d'Eiserman et une autre de Coffey, marquait son 8e de la saison. Les tirs par les Wings, 17 par le Canadien, 7. Et après 20 minutes de jeu, c'est 5-1 pour le Canadien, pour les Red Wings de Détroit, sur le Canadien de Montréal. Tout de suite, Jean Pagé s'entretient avec Martin Lapointe. Jean. Merci, Claude. Alors, 5-1, Martin, c'est toute une première période. Ça vous arrive souvent. Les Russes sont absolument incroyables. C'est ça. Je pense que quand tu mets Sergei Fedorov, Igor Leonov, Kozlov ensemble, je pense qu'ils font de la magie sur la glace. Puis en avantage numérique, ça va bien ce soir. Toi, ce matin, dans le journal, tu disais que tu n'avais jamais rien vu de si beau dans le hockey. C'est sûr. Je pense qu'on est sur le banc, puis on regarde ça, les joueurs, puis on trouve ça incroyable. Maintenant, il faut qu'ils gardent leur cadence, puis je pense que ça va nous aider durant les séries. Êtes-vous plus fort que l'année dernière? Je pense qu'on a une bonne esprit d'équipe, puis je pense qu'on a des plombiers, on a des joueurs de finesse, puis on a des gros gars. Donc, je pense que l'équipe est très équilibrée, puis je pense que c'est ça qui fait notre force. Toi, ça va bien, Martin? Ça va bien. Tu n'as pas joué hier? Non, j'ai pas joué hier. Pourquoi? Ils ont fait jouer Dino Cicerelli à la place. Okay. Bien, bonne chance, Martin. Bonne fin de match. Ah, et de retour devant son filet, Yvon. Bonne décision. Je pense que Mario Tremblay dit tout simplement aux Red Wings, même si c'est 5-1, on a l'intention d'y aller période par période d'ici le reste de la rencontre et voir qu'est-ce qui va se produire. La dernière fois que Scotty Bowman était ici au Forum derrière le banc des Red Wings, le Canadien avait gagné 8-1. 8-1, oui. Mais le lendemain, ils avaient perdu 9-0 à Détroit. Hein? Il y a longtemps. Maintenant, c'était pas le lendemain, mais auparavant. Dernier match de la saison à Détroit. Oui. Coffey. Un tir que Eiserman fait dévier. Et voilà. On a vu pendant l'entre-période les Rangers de New York qui étaient à Ottawa. J'y reviendrai parce qu'il faut parler des lancers d'abord. Ça, vous voyez, c'est le territoire du Canadien en première période. Inutile de vous dire qu'il y a eu des lancers qui sont provenus de toutes les directions en direction de Patrick Roy. Un véritable champ de mine, cette histoire-là. Alors, les Red Wings ont eu plusieurs chances de marquer du côté des Canadiens. Un tir de Turgeon de cet angle ici, le but de Reki et un tir de Fraser. Voici Lidström. Il reste 2 minutes 22 à l'avantage numérique. Là, c'est Primo. Il perd la rondelle. C'est Popovic qui récupère. Popovic qui va d'un dégagement pris par Coffey. 2 minutes et 12 secondes encore à l'avantage numérique des Wings. Voici Coffey. Coffey, il va d'une passe du côté gauche qui va jusqu'à Eiserman. Eiserman qui aussitôt remet derrière le filet de Roy. C'est Primo qui la renvoie vers le capitaine Eiserman, mais sa passe était faible et c'est Petrov à qui ça profite. Voilà Petrov sur un jonc croisé, remarque Quintal derrière lui, hésite avant de tirer, a trop attendu et finalement, c'est Coffey qui prend le retour donné par la rampe. Sa passe à lui a touché Petrov qui exerçait de l'échec avant sur Coffey. Voici Steve Eiserman. C'est pour Paul Coffey. Coffey vers Primo. Racine la lui fait perdre, récupère et aussitôt dégage. Avec 1 minute et demie à jouer encore en avantage numérique. Pénalité majeure qui est purgée par Brashear puisque Brisebois a été chassé pour le reste du match. Voici Koslov, harponne la rondelle ici vers Larionov qui passe à Fyodorov, maintenant pour Fetisov. Oh, quelle passe pour Koslov! La passe devant ensuite et c'est Quintal qui met un terme. Tout le monde était battu là-dessus. Quel jeu remarquable! Fetisov, une passe pour Fyodorov, une autre que Koslov ne peut faire défier. Ça bondit vers Konstantinov qui passe aussitôt à Larionov. Larionov pivote, une passe qui va à Koslov vers Konstantinov. Le tir qui rate le filet, bondit devant. Quintal passe à Danfous qui ne peut dégager, revient à la charge. Dégagement annulé par Konstantinov qui remet à Larionov et à Fetisov. De l'autre côté, et voilà le tir bloqué par Patrick Roy aux dépens de Koslov. Il y a toujours quelqu'un qui va capter la passe. Alors, on rejoint tout de suite Jean Pagé. Il y a eu 3 autres buts à Boston. Voilà le but qui portait la marque à 3-1 pour les Bruins. C'était Donato, son 7e de la saison, à 8-0-9 en deuxième. Des passes de Holtz et Tcherkovski. Magnifique manœuvre de tête Donato. C'était 3-1 Boston. Ensuite, Derek Plante sur une passe de Mathieu Barnabé à 9-0-2.
portait la marque à 3-2 pour les Bruins toujours. Et ensuite, Dave Reed à 14-57, son cinquième de la saison. Une passe de Steve Hines et c'est la deuxième terminée. 4-2 pour les Bruins sur les sabres. Je disais tout à l'heure qu'en regardant Messier jouer à Ottawa, ça semblait du... Fedorov. Hein? Absolument. Absolument. La seule différence, est-ce que Fedorov a le caractère de gagnant de Mark Messier? Ah ben là. Voilà, tout à dit. Je donne un point à Messier, là. Oui, un point de plus. Voici Malakhov le long de la rampe avec Kozlov. Et puis, il y a Oudline qui attend la rondelle, qui ira jusqu'à Fedorov, dont on parlait tout à l'heure. Relais pour Kozlov vers Larionov. Ça ira à Fetisov, dont le tir est bloqué par la glissade de Petrov. Là encore, c'est Fetisov qui reprend. Une passe qui revient à Kozlov devant le but. Et voilà le but! Kozlov qui réussit son tour du chapeau. Très facilement d'ailleurs, malgré le fait que Petrov eut exécuté une glissade pour stopper un tir. On n'a pas paniqué du côté des Red Wings. Beaucoup d'expérience avec Fetisov au point d'appui. Inutile de vous préciser. Vous voyez ici, il va reprendre le tir, la passe en diagonale et ensuite Fedorov qui vise son coéquipier Kozlov. Une passe sur réception. Et là, c'est encore une fois la défense du Canadien qui est pris à contre-pied. Patrick Roy, lui, fait une glissade du côté droit, mais finalement, Kozlov n'a qu'à enfiler la rondelle dans le fond du filet. À 2 minutes 52, il complète son tour du chapeau en deuxième période. Voilà la pénalité maintenant terminée. Ils auront marqué 3 buts en supériorité numérique pendant l'avantage numérique d'une pénalité majeure de 5 minutes. Donc, voici Turgeon, le tir qui est dévié par-dessus la baie vitrée par Rouse. C'est 6-1 pour les Wings. La soirée du hockey Molson se poursuit dans un instant sur SRC Sport. Mario qui vit ses premiers moments difficiles avec le Canadien, Claude. Son équipe ne joue pas avec la même conviction et dans le succès, on oublie parfois, Claude, ce qui a amené une troupe à se découvrir et à s'améliorer. Ça, c'est un point important. J'en ai discuté avec lui ce matin. Là, on ne joue plus avec la même assurance et on prend trop de risques. C'est vrai. Voici Lidstrom, une passe qui va jusqu'à Rouse. Et tout de suite, il voit l'ouverture. Il va d'un dégagement qui sera refusé d'ailleurs aux hommes de Scotty Bowman qui mène 6-1. Un exemple, les joueurs de centre, notamment du Canadien, dans leur territoire défensif, ce sont des joueurs qui devraient jouer plus profondément pour prêter main forte à leurs défenseurs. On ne le fait pas du tout. Alors, rejoindre Camille Dubé à Ottawa. Merci Claude. Et bien, on se rappelle que les Rangers ont eu 2 hommes en supériorité numérique et ils n'ont pas marqué. Peu de temps après, Ottawa avait une supériorité numérique d'un homme. On voit Modri ici qui a raté le filet de peu. Belle réaction de Quinn derrière le filet à Connie Ward. Et en supériorité numérique, Connie Ward donne l'avance au sénateur. 1-0 après une période. Ici, c'est 6-1 pour les Wings. La pointe est mise en échec. Ricky reprend et pousse la rondelle sur le flanc opposé. Mais il s'est fait barrer la route ensuite par Primo et ça permet un autre dégagement qui sera à nouveau refusé, celui de Johnson, qui a été mis en échec plutôt par Brisebois. Bien, ça, ce sera la stratégie des Red Wings, Claude. Keith Primo, Steve Yzerman et Igor Larionov, ce sont les 3 joueurs de centre de cette équipe, ainsi que Johnson, dans le territoire défensif avec une priorité de 6-1. Ce que Bowman leur dit, prenez pas de chance, pas de jeu de finesse, il ne faut pas donner d'autres buts aux Canadiens et on va remporter une victoire facile, on va s'en retourner à la maison et tout ça, tout le monde va être très, très heureux. C'est pas le moment, justement, de vouloir jouer de finesse, etc. Pas de dentelle. Non. Voici Steve Yzerman. La passe est pour Marc Bergevin. Il semble s'être fait une niche, là, des fois, Bergevin, parce que c'est promené, hein, depuis Chicago, ce gars-là. Oui. Là, c'est Vernon qui sort de son but. Une passe qui est interceptée par Keane. La sienne a touché Brashear. Elle revient à Keane ensuite. Oh! Vernon qui fait un arrêt miraculeux. Encore Brashear, il pivote devant Dandenault. Là, elle est mise en échec par Bergevin. Il tente d'emprisonner la rondelle entre ses patins. Elle est ressortie de là par Yzerman, mais il ne peut aller bien loin. Racine qui tire, Yzerman fait l'arrêt. Aussitôt, il va d'une relance pour Dandenault qui s'échappe. Dandenault seul devant Roy. Le tir à le but! Quand je vous disais de ne pas prendre de risques inutiles, vous avez vu de quelle façon Yzerman a intercepté le disque en plein milieu de son territoire. Et la raison pour laquelle Dandenault a réussi à se tailler un poste régulier au sein de cette équipe, c'est sa rapidité.
Regardez comment il va se démarquer de Ivre. C'est quel jeu de la part de Heisman sur cette séquence. La passe du revers. Et là, Dandonneau, lui, échappe à l'attention de Hoadline et de Yves Racine. Perd le contrôle du 10, récupère par la suite. Et là, Patrick Roy est complètement battu. Deuxième but en deux matchs pour Dandonneau contre le Canadien et Patrick Roy. Et il donne les devants 7-1 à sa formation. Et il reste 15 minutes 27 à jouer au deuxième tiers. Dandonneau, donc, son quatrième de la saison. Sur une échappée, voici Fétissa. Passe en retrait qui va à Konstantinov. De l'autre côté pour Koslov, vers Fiodorov. Mise en échec par Malakhov, pousse la rondelle derrière le filet de Roy, prise là par Quintal. Voilà Quintal qui décante. Quintal arrive en zone neutre, tente une passe que Petrov a devancée. Elle revient en zone neutre. Interception de Malakhov. Malakhov à nouveau tire à la droite du filet de Vernon, qui cède la rondelle à Fiodorov au passage. Fiodorov, il va d'un dégagement jusqu'en zone neutre, puis par Larionov, il l'abandonne pour Fiodorov. Le tir de loin, boulet bloqué par Roy. Et là, le feu, le geste de Roy. Tout à fait impardonnable. Absolument. Voici Bourret. Je ne sais pas si son entraîneur va lui en tenir rigueur, mais... Ça ne se fait pas, mon cher Claude. Non. On va en parler longuement de ça. Encore. Voici Grimson. Grimson, du côté gauche, s'approche du but, tente une passe qui sera complétée par Rouse. Mais là, c'est Petrov qui la lui fait perdre. Petrov, du côté gauche, rentre en zone adverse. Là, il est poussé par Lidstrom sur la rampe. Il perd son bâton et Rouse peut récupérer la rondelle, ainsi perdu. 10 tirs seulement par le Canadien, 22 par les Red Wings depuis le début du match. Voici Popovic. Sa passe était pour Danfous. Elle a bondi par-dessus le bâton de Danfous. Là, maintenant, c'est un lob jusqu'en zone neutre, pris par Popovic avec la main. Mais déjà, Draper était à ses trous. Stevenson, maintenant, remet à Danfous. Danfous, rattrapé par la pointe qui l'a lui fait perdre. Et voilà le dégagement de la pointe. C'était d'abord une passe pour Primo, mais c'est devenu un dégagement pris par Popovic chez lui. Voici Danfous. Danfous s'en va complètement dans la droite. Rentre en remettant à Hoadline, en zone adverse. Autre relais pour Danfous. Durvert, il tire. Il avait battu ici le gardien qui a touché. La rondelle a touché l'intérieur de son patin droit pour ensuite frapper le poteau et rester à l'extérieur de la ligne. Ou du but. Voici Hoadline. Du côté gauche, c'est pour Racine. Le tir, c'est bloqué par la pointe. La pointe qui vient pour prendre la rondelle dans le coin. C'est Fraser qui la lui enlève. La passe devant encore pour Danfous qui y va d'un deuxième tir bloqué. Là, c'est Fraser encore. Fraser pour Danfous. Danfous vers la rondelle. Il la reprend avec le patin. Là, c'est Stevenson qui intervient. Cette fois pour Fraser. Et au moment où il décochait son tir, c'est la pointe qui l'a mis en échec. Il y aura pénalité aux Red Wings. 7-1 pour Détroit avec 12 minutes 59 à jouer au deuxième tiers. On s'arrête pour une pause. Alors derrière Steve Schott, on aperçoit Régent Hull. Il y aura des comptes à rendre, c'est-à-dire qu'il va demander des comptes à rendre à son gardien de but. Ici, le public a maugréé. Patrick Roy n'a aucune raison au monde d'agir ainsi. Aucune, qu'il soit d'accord ou non avec la réaction du public. C'est vrai qu'il n'est pas responsable de la déjeuner qu'encaisse le Canadien actuellement. Et ça, le public paye le gros prix maintenant à Claude. Exactement. Et ça permet aux athlètes de bien vivre aussi. Et c'est ce que le public paye au guichet qui rapporte l'argent à Patrick Roy. Voilà un tir qui est bloqué au départ de Barberry. Contre-attaque du Canadien. Là, c'est Ricky. Deux contre un avec Savage. Et c'est Rouse qui met un frein à cette poussée du Canadien. C'est un beau deux contre un, mais Rouse a effleuré la passe, la rondelle, au moment où on faisait la passe. Voici Ricky. Ricky qui redirige la rondelle vers Turgeon, cette fois pour Quintal, se sert de la rampe pour la soulever et remettre à Turgeon qui passe à Quintal, pivote devant Eiserman, revient sur ses pas en mettant à Ricky dans le coin, à Quintal à nouveau et à Ricky sur le point d'appui gauche. Une passe pour Quintal, aucun tir au but. Là, c'est Malakhov qui le tire sur réception est complètement raté. Là, c'est Turgeon aux prises avec Coffey, les deux numéros 77. Ricky maintenant tombe. Parfait récupère, même si Turgeon est à proximité, sa passe est interceptée cette fois par Savage qui la perd en essayant de dribbler. Voici Paul Parfait en zone neutre, des changements apportés par Mario Tremblay. Parfait arrive à la ligne bleue du Canadien et pousse la rondelle derrière le filet de Patrick Roy. Voici Stéphane Quintal. Quintal, du côté droit pour Koivu. Koivu de l'autre côté pour Petrov, mais la rondelle vole dans les airs et tombe chez les spectateurs. Tu sais, Claude, il n'y a pas de plus grand compétiteur au sein de cette équipe que Patrick Roy, mais là, je pense...
Il a vraiment tout pris sur lui, ce qui se passe actuellement. Il ne doit pas réagir ainsi. Je pense qu'il est extrêmement frustré de la tournure des événements. Mais le point qu'il faut retenir avant tout, c'est que de plus en plus, les prix des billets sont élevés dans tous les amphithéâtres du circuit. Et le public va faire connaître son opinion, peu importe ce qui va se produire sur la patinoire. Et il a le droit de le faire. Oudline en retrait pour Popovic. Une autre passe dirigée vers Lyle Oudline. Il attire Larionov. Passe qui est interceptée et finalement le dégagement jusqu'à l'arrière du filet de Roy. Il reste 12 secondes à l'avantage numérique du Canadien, à la peine que purge la pointe Martin. Voici Koivu, rentre en zone adverse, perce la défensive. Là, il essaie de ramener la rondelle devant. Il a été gêné par la glissade de Bourret. La passe à Popovic, le tir qui est raté. La rondelle qui tombe aux mains de la pointe du côté droit. La pénalité est terminée, vous l'aurez compris. Là, c'est maintenant la pointe qui reprend. Une passe qui va à Fyodorov. Fyodorov pour Larionov. Larionov prend la passe pour remettre à Fetisov qui abandonne son poste. Remet devant à la pointe. Cette fois vers Fyodorov, mais le tir sur réception complètement raté. Et la pièce de jeu était belle. Voici Oudline. Une passe que Petrov a perdu aussitôt. La passe était vide. Plus de poids sur son bâton. La rondelle glisse près du filet de Roy. Il la pousse sur le flanc. Fyodorov intercepte. Remet devant. Là, maintenant, c'est Johnson qui passe à Lidstrom. Le tir bloqué par Roy. Retour Koivu pour Brashear. Voilà Brashear pour Keane. Keane se fait barrer la route par Rouse. Brashear vient pour prendre la rondelle. Lidstrom l'a rattrapé. Rouse intervient. Mise en échec cette fois par Conroy qui en est à une première présence sur la glace. Voici Lidstrom devant Conroy. Une passe qui va à Koslov. Une autre dirigée dans la droite pour Rouse. Il arrive en zone adverse. Remet à Primo. Devant et le but de Johnson. Wow! On doit dire, Claude, que le duo Quintal-Racine éprouve des difficultés ce soir. À chacune de leurs présences sur la patinoire, les Red Wings s'amusent comme larrons en foire. Et si Primo facilement va en tirer un défenseur du Canadien qui est Quintal, qui joue bien son jeu cependant. Mais Racine était pris hors position et au même moment, et quand je dis que des joueurs veulent prendre des raccourcis, Donald Brashear a tardé vraiment à s'amener pour couvrir son allié, ce qui était Greg Johnson, et Johnson complète la stratégie de Keith Primo. Son 9e de la saison et son 2e de la soirée pour Greg Johnson. C'est 8-1 pour les Wings et il reste 29 minutes 49 pour jouer dans le match. Wow. Oh, quel dégelé! Voilà une rondelle qui vole dans les airs. Elle est prise par Fraser. Fraser, une passe qui est dirigée vers Stevenson. Stevenson, plus loin, vient pour prendre la rondelle. Il y a confusion, mais finalement, c'est lui qui récupère pour remettre à Vincent Danfous. Danfous bataille avec Bergevin, pousse le disque vers Fraser, qui essaie de remettre devant pour Stevenson, mais le gardien Vernon y met un frein. Et c'est 8-1 pour les Red Wings avec 9 minutes 24. Et est-ce qu'on prépare présentement Jablonski qui est allé du côté du râtelier pour chercher un bâton dans le corridor qui mène au vestiaire du Canadien? Mais il attend le signal de son entraîneur-chef, Mario Tremblay. Voilà les résultats à l'étranger. 4-2 Boston sur Buffalo. 3-2 pour les Panthers sur les Whalers. Les Islanders mènent par 3 buts sur les Devils du New Jersey. C'est 3-1 les Mighty Ducks sur les Leafs en deuxième période. 1-1 l'égalité à Winnipeg entre les Jets et les Hawks. 4-2 Saint-Louis contre les Oilers en deuxième période. Et 1-0, on l'a vu tout à l'heure, Ottawa contre les Rangers de New York qui seront les prochains visiteurs, les Rangers, au Forum de Montréal samedi prochain. Je pense que derrière le geste qu'a posé Patrick Roy tout à l'heure, il aurait peut-être souhaité ne pas revenir au début de la deuxième période. Mais suite à ce geste, la meilleure pénitence, ce ne serait pas de le laisser là. Mais même à 5 à 1, mais même à 5 à 1, Claude, tu ne peux pas dire à l'adversaire que tu vas lâcher. C'est comme un set de tennis, tu perds 5 à 0, tu dis à ton adversaire, le sixième point, ça va prendre tout ton change pour l'obtenir. Oui, monsieur. Voici Danfous, ça passe arrière, tombe en zone neutre, poussé là par Grimson. C'est lui qui vient pour prendre la rondelle le long de la rampe devant le banc des pénalités. Il est rejoint par Danfous qui parvient à la pousser en zone des Wings. Mais Coffey, le premier rendu, pour remettre à Marc Bergevin ainsi à la pointe. Maintenant pour Draper. Draper dans la droite, devant Oudline. Temps de le contourner. Oudline l'arrête en interceptant la rondelle avec le patin. Ensuite pour Savage. Une autre qui ira à Ricky. Il l'abandonne pour Danfous au passage. Le tir de Danfous est bloqué par Vernon. Et il a remis à Konstantinov qui a balayé la façade du but aussitôt. Voici Kotzlov.
Putslam, c'est pour Fyodorov. Fyodorov perd la rondelle. Et voilà Racine qui intercepte pour remettre à Danfous. Mais il abandonne derrière lui. C'est Fyodorov qui l'intercepte. De l'autre côté pour Kozlov. Kozlov devant pour Larionov. Mais finalement, Ricky empêche Larionov de tirer au but. Passe devant et voilà le but de Fyodorov. Wow! Voilà ou non, Claude? Alors, je crois que c'est Jablonski qui va s'amener devant le filet du Canadien, effectivement. Il est en train de récupérer son bâton. Voilà ou non, Larionov avait perdu le coup de jouer avec les Sharks de San Jose. Il voulait même retourner chez lui. Lorsque cette transaction a été effectuée, il a retrouvé tous ses moyens. C'est un joueur très, très intelligent. Regardez comment il va se démarquer de Ricky. Avec, en contrôlant bien le disque, il aperçoit ensuite Fyodorov. Kozlov, il avait attiré un joueur du Canadien. Et là, Patrick Roy n'y peut rien. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Il n'y a aucune défense devant lui. On l'a laissé à lui-même et là, on va le retirer en faveur de Pat Jablonski. Et là, Mario commence. C'est le métier d'entraîneur qui rentre pour le vrai, cette fois. Oui, monsieur. Je peux te l'assurer. Je comprends, alors. Donc, Fyodorov, son 12e sur une passe de Larionov à 11 minutes 57. T'as raison quand tu dis que c'est le métier d'entraîneur qui rentre. Et t'as vu le coup d'œil qu'il a jeté à Rouen en passant. Tu questionnes chacune de tes décisions. Tu te demandes comment se fait-il qu'on perd 9-1. J'ai pourtant bien préparé mon équipe. On avait un bon plan de match bien établi. Qu'est-ce qui fait que tout s'est écrasé? Oups! Oh, Roy qui est allé s'adresser au président Corée. Oui. Oh! Je ne sais pas ce qui s'est dit là, mais... j'aurais aimé un petit oiseau. Oh oui! Wow! Les questions qui vont se poser après le match, hein? Enfin, voici Ricky. Une passe qui va à l'aile Oldline. Oldline tente un relais qui est intercepté par Yzerman. 9-1 les Wings. Voici Yzerman qui revient sur ses pas. Yzerman Durvert remet vers Dandenault, mise en échec par l'aile Oldline et on n'ira pas plus loin. Jablonski arrête la rondelle au grand plaisir des spectateurs. En direct du Forum de Montréal, vous regardez la soirée du hockey Molson sur SRC Sport. Je peux dire une chose, c'est que Patrick Roy, il est furieux. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Il a regardé son entraîneur. Ensuite, s'est dirigé vers Ronald Coré, lui a dit quelque chose. Aucune réaction de la part de Ronald Coré. Il est ensuite repris son haut. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit, mais... Assurons-nous de le voir après le match. Oui. Voici Turgeon qui a poussé la rondelle à la droite de Vernon. Là, c'est Dandenault, un relais qui est capté par Bob Airy. Airy accélère, arrive devant Quintal. Et il tire à la gauche de Jablonski. Yzerman, une première rendue aux prises avec Turgeon. Il s'en démarque. Là, Turgeon harponne le disque que Popovic ne peut récupérer. C'est Dandenault qui est le premier rendu. Ça passe, ira à Lidstrom, à Airy. Il perd à Popovic. Aussitôt pour Savage et Ricky. Voilà Ricky. Ricky s'en va du côté gauche. Ricky passe vers Turgeon. Il n'a pu compléter. Et finalement, dans son repli, c'est Quintal qui empêche Primo de s'en aller droit au but. Là. Voici Primo. Il a pu toucher à la rondelle. Réaction rapide de Popovic. 9-1 les Wings avec 26 minutes 35 à faire dans le match. Voici Johnson. Johnson, une passe qui est interceptée par Bourret. Cafouille revient sur ses pas. Relais par derrière le filet de Jablonski vers Popovic. Popovic qui soulève la rondelle en lob et elle tombe en zone des Wings, là où Coffey passe à Marc Bergevin aussitôt pour Coffey. Coffey revient sur ses pas, pressé par Petrov, remet à Primo. Primo rattrapé par Bourret qui ne peut le freiner. Primo reprend, le tir qui est dévié à l'extérieur, a touché un patin. Coffey qui tire, c'est bloqué par Jablonski, un bel arrêt avec la jambière. Là maintenant c'est Petrov qui relève le disque vers Koivu. Mais Petrov l'avait devancé sur le flanc droit, arrêt de jeu. Écart de 8 buts en faveur des Red Wings de Détroit qui mènent 9-1. Mais ce qu'on doit constater dans une situation de la sorte, Claude, alors qu'on aperçoit à nouveau Patrick Roy et Régent Hull, c'est qu'on ne travaille pas avec intensité à 9-1. Écoute, il faut donner quand même quelque chose aux spectateurs qui sont ici. Tu as vu sur la dernière séquence, jamais on a vu un joueur aller faire de l'échec avant contre le défenseur des Red Wings de Détroit, de sorte que les Red Wings sortent la rondelle avec énormément de facilité. C'est même plus difficile pour eux de sortir la rondelle pendant l'entraînement. Est-ce que... Je ne sais pas, mais
Il y a sûrement des gens à la maison qui se posent la question. Est-ce que Roy a pu dire à son président, je ne veux plus jouer ici, échangez-moi, pas jusque-là? Je serais très étonné. Vous espérez que non. Ce serait étonnant, tout à fait. Voici Stevenson. Une passe pour Danfus. Danfus vers le disque. Stevenson. Il a peut-être dit, c'est « J'aimerais ça vous rencontrer après ou demain. » Ah, peut-être. J'aimerais vous voir. Oui. On a des choses à se dire. Voici Danfus. Danfus, relève vers Racine. Maintenant pour Malahop. La passe devant, mais il n'y avait personne. C'était bien pensé de la part de Fraser. Il n'y avait personne des siens pour compléter ce jeu. Rondelle libre dans le coin. Là, c'est Konstantinov qui vient chercher la rondelle. Il est solidement mis en échec. Là, voici Popovic. Il a harponné plus loin en zone des Wings, mais c'est Fetisov qui passe à Kozlov sur cette sortie de zone. Le voilà avec un relais arrière pour Larionov, pour Fyodorov. Et un autre but! C'est parti, mon kiki. Kozlov réussit son quatrième de la soirée. Il n'y a rien à faire. Hein? Absolument. Absolument rien à faire. Il n'y a aucun degré d'intensité, même dans le repli. Regarde comment on se... Tu vois même Fraser ici, c'est un joueur recru, ne fait même pas un effort. Conroy arrive ensuite beaucoup trop tard. Et du même coup, pour les Red Wings, c'est tellement facile de pouvoir se démarquer, etc. Tu as deux joueurs recrus, Conroy et Fraser, qu'on amène ici pour montrer ce qu'ils ont vraiment comme talent. Et on se permet de jouer de façon très, très détendue. Tu vas comme je te pousse. Et voilà le résultat, c'est 10 ans. Eh bien, ça me permet de penser à l'automne prochain. Il y aura la Coupe, non pas l'ancienne Coupe Canada, ça va s'appeler la Coupe du monde de hockey, c'est ça? Oui. Et le Canada sera représenté par de grands joueurs. Les Russes également. Est-ce qu'on pourrait retrouver les 5 mêmes Russes? Il y en a qui sont trop vieux, hein? Moi, je peux te parier que tu vas avoir un trio de Fyodorov avec Mogilny et Pavel Bourré. Ça, tu peux être certain. Radio-Canada présentera les matchs. Pensons à quelques joueurs chez nous pour les représentants du Canada. Entre autres, il y a Mario Lemieux, bien sûr. On pense à Lindros, mais je sais que tu as dressé une liste comme ça rapidement sur un coin de papier. Ça pourrait nous donner quoi? Ça pourrait aider le Canadien certainement ce soir. Tout à fait. Ensuite, voilà un disque poussé derrière le filet de Jablonski. Ici, c'est Brashear. Brashear qui, du centre, s'empresse de pousser la rondelle près du filet de Mike Vernon. 10 à 1 avec 23 minutes 45 à jouer dans cette période. Voici Eiserman. Eiserman dans le coin. Il est mis en échec par Popovic. Bergevin récupère le disque. Il le redirige vers Dandeneau. Passe qui est interceptée par Popovic. Vers Savage maintenant. Savage se retourne. Essaie de sortir la rondelle de chez lui. N'y arrive pas. Cette dernière a frappé l'arrière du patin de Ricky qui a passé ensuite à Turgeon. Il a poussé en zone des Wings. C'est Vernon qui est le premier à intervenir pour remettre à Marc Bergevin. Par la baie vitrée, une sortie de Bergevin qui voit la rondelle interceptée, la passe plutôt interceptée par Popovic qui a passé ensuite à Savage et Ricky. Contré par Coffey. Ricky reprend, mais dans son repli, c'est Primo qui a intercepté la dernière passe pour passer à Kozlov, à Coffey. Coffey vers Primo et il n'a pu rediriger la rondelle par-dessus la jambière de Jablonski, étendu tout son long devant Primo. Il n'avait plus tellement d'espace de manœuvre. On a une passe que Primo enlève à Racine, qui venait de l'intercepter. Là, une autre qui ira vers Johnson. Et là, il y a une expression par chez nous qui disait « on se paye la traite hein? ». Ah, chez les Wings, ils se payent un petit festival. Là. Oui. On s'amuse. Devant une équipe qui a toute une histoire. On va s'arrêter pour une pause. C'est 10 à 1 pour les Wings. La soirée du hockey Molson se poursuit dans un instant sur SRC Sport. Ici, c'est 10 à 1 pour les Red Wings. Le Canadien est à un avantage numérique. Combien? 10 à 1 pour les Wings. Le quart est de 9 buts. Et Fetisov est au banc des pénalités pour avoir retenu le bâton d'un opposant. Voici Saku Koivu. Il dirige la rondelle vers Danfus, loin de son profit. C'est Bourré qui viendra compléter la passe. Voilà arrière. Bourré tombe, se relève, reprend la rondelle, aidé de Danfus. Cherche à se donner un angle, mais sa passe a été interceptée par Airy et recouvrée ensuite par Eiserman qui perd, rattrapé par Danfus. On a une passe qui est interceptée par Lidstrom, mais tout de suite, il y va d'un dégagement. 1 minute 3 secondes avec un coussin de 9 buts. Vous allez me dire, c'est facile, mais on joue avec beaucoup d'assurance chez
les Red Wings de Détroit. D'autant plus que l'adversaire n'exerce, Claude, et c'est ça que je trouve très dommage, aucune pression. Tout à fait. Aucune. Regarde, Coffey n'a jamais vu un joueur près de lui pour l'empêcher d'effectuer ce dégagement. Aucun tir au but, on peut jouer la tête basse même chez les Red Wings, sans crainte d'être frappé. Voici Popovic. Tire en zone des Wings. Coffey, le premier rendu. C'est facile, c'est simple. On n'a qu'à diriger la rondelle vers l'autre extrémité. Le dégagement est réussi. Voici Savage pour Quintal. Il perd la rondelle. Fiodorov s'en va seul devant Jablonski. Le tir est bloqué par Jablonski. Du bout de la jambière. Voilà encore Bergevin qui réussit à arrêter Savage et renvoie le disque derrière le filet de Jablonski. Il reste 7 secondes à l'avantage numérique, 37 à la période. Voici Quintal, c'est pour Savage. Il abandonne le disque pour Ricky. Il applique les freins. Ricky passe à Savage. Et beau jeu de Johnson ici qui a empêché Savage de diriger un tir vers Yzerman. Il a pris une fraction de seconde de trop peut-être. Voici Racine. Pénalité terminée. 15 secondes encore à la période. Là maintenant c'est Brashear qui s'est fait ravir le disque par Konstantinov. Il a passé à Lidstrom. Lidstrom repère Johnson, perd le disque. Là, c'est Johnson qui reprend, s'approche. Et en visant la partie supérieure, le disque a été dévié par Popovic pour toucher la baie vitrée. Et bien là, M. Roy va rentrer au vestiaire. Il y a peut-être quelques comptes qui vont se régler un peu. Du moins, on va amorcer les règlements de compte. Et allons-y avec une pause publicitaire. C'est 10 à 1. La soirée du hockey Molson se poursuit dans un instant sur SRC Sport. Le banc du Canadien. Il y a une chose, par exemple. Une loge présidentielle derrière le banc d'une équipe. Je me demande si ça a sa place. Hein? Enfin, voici... Parce que là, l'athlète a passé devant son entraîneur pour aller parler au président. Oui, il a défié l'autorité. Il passe par-dessus non seulement l'entraîneur, mais également le directeur gérant qui n'était pas là, mais il est allé directement au président. Convaincu, Claude, que Mario Tremblay, qui est un homme très fier, ça ne restera pas là. Oh! Ça a dû commencer à faire des étincelles dans le vestiaire après la période, en tout cas. Il reste, quoi qu'il en soit, 19 minutes 20 à jouer dans ce match. Et c'est la première fois cette saison que le Canadien accorde deux fois 5 buts. Du moins 5 buts dans chacune des périodes. Auparavant, ils en étaient à 4 buts, pardon, en une période. C'était leur pire fiche. Alors, c'est une soirée extrêmement difficile dans la Ligue nationale, alors qu'on voit Scottie Bowman qui, lui, va fracasser le record d'Al Harbour. On aura l'occasion d'y revenir, mais je veux vous dire que Kevin Constantine des Sharks de San Jose a été congédié il y a quelques instants. Sera remplacé par Jim Riley. Et Kevin Constantine, crois-le ou non, mon cher Claude, pendant le camp d'entraînement, il a signé un contrat de 3 ans. Alors, t'es pris avec un tel investissement. Eh bien, ils sont obligés de le payer jusqu'à la fin. Oui. Hein? Eh bien, il s'en passe des choses dans la Ligue nationale aujourd'hui. Maloney a été congédié, Constantine est congédié. Quatrième entraîneur cette année. Oui. Daigle ne joue pas. C'est Stevens vrai. Stevens ne joue pas. Et c'est surprenant, mais on parle de plus en plus dans les journaux que Daigle renégocierait son contrat et à perte. Oublions ça. Quoi, ça? Et à la longue liste d'événements qui se sont produits ce soir dans la Ligue nationale, les Red Wings de Détroit ont marqué 10 buts en 2 périodes ici au Forum. Et il y a l'incident Patrick Roy, évidemment, qui fera couler beaucoup d'angles et fera jaser énormément au cours des prochaines saisons. Je vous parlais de Scottie Bowman. Le 22 novembre, c'est fait 28 ans qu'il est derrière un banc et regardez sa fiche. Donc, le 28 décembre, il va égaler la marque de Al Harbour. Et 2 jours plus tard, à Détroit, il va surpasser cette marque avec 1607 matchs derrière un banc d'une équipe de la Ligue nationale. C'est pas près d'être battu, ça, au rythme où ils sont congédiés. Il y en a 4 déjà cette année. Et les doyen, c'est Eddie Johnston actuellement dans la division Nord-Est avec 400 matchs. Hey, imagine, c'est pas fini. Voici Konstantinov. Son tir a été bloqué par Jablonski. La rondelle qui revient jusqu'à Fiodorov. Un relais qui est pris par Larionov vers Fetisov qui venait d'abandonner son poste. Et finalement, la rondelle tombe en zone neutre. C'est Fiodorov qui a repris. Il a tiré derrière le filet de Jablonski, sorti de son but, le remet à Stéphane Quintal. Voici Coffey en zone neutre. Coffey voit son tir annulé par Petrov, mais il a repris pour remettre jusqu'à Primo.
via Bergevin. Primo qui a été arrêté devant le filet de Jablonski. La pointe qui récupère. La pointe vers Primo. Aussitôt pour Johnson qui a deux buts. Le tir d'Urvert qui dévie sur Quintal s'en va derrière le filet. Primo revient à la charge. Il y a une pénalité d'annoncer aux Canadiens. Johnson allait tirer. On l'en a empêché. Beau jeu de Petrov là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, Carey Fraser annonce la pénalité. À Vincent D'Anfousse. Oui, à Vincent D'Anfousse. C'est ça, deuxième du match aussi, je ne sais pas, Vincent D'Anfousse. Hein? Vincent qui a retenu devant le filet de Pat Jablonski. Alors, les Red Wings qui se sont amusés avec leur attaque passive ce soir, ils ont marqué 4 buts, Claude, dont 3 pendant l'absence de Patrice Brisebois, qui, rappelons-le, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, a été chassé du match, pénalité de 5 minutes et pénalité de match pour double échec à l'endroit de Darren McCarthy. Et c'est Lidstrom, Johnson et Koslov qui ont marqué les buts en avantage numérique de 5 minutes. Quand on parle de jeu de base, regarde ici comment Keith Primo, vous le voyez ici, Keith Primo, il va se diriger vers le porteur de la rondelle pour capter une passe d'environ 5 pieds. C'est de cette façon-là qu'on réussit vraiment, qu'on réussit à faire des jeux sains. Regarde, impossible de manquer une telle passe. On n'a pas fait ça du côté du Canadien de toute la soirée. Les courtes passes, on en parlait en début de saison, Yvon, je me souviens. Encadrer le porteur de la rondelle. Tout à fait. Voici Vernon. Il n'y aura pas eu de jeu blanc, encore Vernon, le pauvre. Sur un but marqué en avantage numérique par Ricky, l'unique buteur du Canadien. Koslov en a 4, Johnson en a 2, entre autres, chez les Wings. C'est lui, Johnson, qui a la rondelle. On va essayer de lui faire compléter son tour du chapeau. Ça ferait 2 tours du chapeau dans un même match. Là, c'est Primo qui a remis devant le filet. Ça a été rabattu derrière. Là, c'est le dégagement de Oldline qui a été complètement annulé. La rondelle revient à Turgeon. Turgeon, maintenant, sort de chez lui du côté droit. Il va d'une passe que Keane ignorera tout simplement parce que rappelé au banc des siens par l'entraîneur Mario Tremblay. 1:04 à la pénalité que purge Vincent D'Anfousse. Voici Stéphane Quintal. Quintal, dégagement annulé par Coffey. Coffey qui passe à Constantinov. Maintenant vers Dandenault. Dandenault vers Bob Airy. Airy est écrasé sur la clôture par Racine. Petrov harponne la rondelle au-delà de Constantinov, derrière lui du moins, et non sans en payer le prix. Constantinov l'a plaqué sévèrement. Là maintenant, c'est Airy qui évite le plaquage de Racine. Maintenant, Dandenault aux prises avec Koivu. Les deux batailles le long d'Aran. Il y a également Eisenman qui est là et le dégagement est bon jusqu'à l'autre bout. C'est ce même Constantinov qui a blessé Bureau indirectement, ouais, hein, dans cette bagarre, alors que... Pas indirectement. Directement, oui. C'est-à-dire qu'il a attaqué Ricky et Ricky s'était... Ensuite, Bureau s'est amené et là, Bureau a été blessé pour une seconde. Et il a fait une chute avec l'arbitre également. Allons rejoindre Jean Pagé pour de bonnes nouvelles, Jean. Oui, alors c'est un match qui est terminé. Claude, regardez, on va voir d'abord 4-3. C'est un but de Rob Conn, une passe de Pat Lafontaine à 10-45. Ça portait la marque 4-3 pour les Bruins de Boston. Un excellent match à Boston. Ensuite, Cam Neely à 13 minutes 40, des passes de Bourque et Stumpel. Son 13e pour Neely, c'était 5-3. Pat Lafontaine ensuite marqué 5-4, une échappée, un magnifique but, son 8e à 15-59. Et finalement, Clayton Beddoes, à 18 minutes, a marqué le 6e but des Bruins. Et ça s'est terminé sur cette marque de 6-4 pour Boston sur Buffalo. Ici, c'est 10-1 pour les Red Wings de Détroit. Ricky est mis en échec. Voici Draper. On a parlé, Yvon, de la Coupe mondiale de hockey, la Coupe du monde. On a parlé de noms que vous n'avez pas donné finalement. Moi, j'ai donné des noms comme Lemieux, Lindros, mais il y en a d'autres qui sont intéressants, hein, et qui donneraient toute une puissance à la formation du Canada, formation nationale. Shanahan, Sakic. Ouais. Je continue. Pas mauvais, oui, oui. Trevor Linden, Paul Kariya, Mark Messier. Oh. Il y a Gretzky qu'on n'a pas nommé. On va attendre. Voici Fyodorov. Fyodorov, il va d'une passe qui est annulée par Oldline. Et qui on verrait comme entraîneur-chef? On veut offrir le poste possiblement à Mike Keenan. Et moi, c'est mon candidat, ce serait Jacques Lemaire. Ben aucun oui, d'autre. Ben oui. Allons-y avec le gagnant de la Coupe Stanley. Ben oui, pourquoi pas? Ben, ça dépend. Ben oui, c'est qui va la gagner cette année ouais. Et les deux feraient une bonne paire. Voici Quintal. Le tir est bloqué par Vernon. Pénalité terminée, il va s'en dire.
Là, maintenant, c'est Bourret qui essaie de reprendre. Ça glisse vers Quintal. Son tir faible est bloqué par Vernon. Il n'y a pas de retour. Vernon emprisonne la rondelle sous sa mitaine. La soirée du hockey Molson se poursuit dans un instant sur SRC Sport. Courait partout dans l'espoir de trouver des souvenirs. Et il faut avouer qu'il va partir les mains pleines. Parce que dans son bureau adjacent ici au vestiaire, il y a toutes sortes de choses sur le forum actuel. Et il ne pouvait choisir une meilleure soirée pour faire ses adieux à cet amphithéâtre où il a connu tellement de succès. Oui. Son équipe qui mène 10 à 1. Une saison aussi de 8 défaites seulement. Ça, on en reparlera longtemps de celle-là, de cette saison-là. Ce ne sera pas égalé de sitôt, peut-être jamais. Et puis, l'année d'après, 11 défaites seulement. L'année d'après, le Canadien avait connu une mauvaise saison, 10 défaites. Et après, 11. C'est ça? 29 en 3 ans, pas mal, ça. Mais il faut dire qu'il avait l'équipe pour l'accompagner. Popovic brise une sortie de zone des Wings. Dandenault reprend. Profite d'une erreur de Hodline. Là, c'est Popovic qui intervient, mais Dandenault ne lâche pas prise. Dandenault est patient avec la rondelle. Il attend que Bowman complète ses changements. Il y avait Conroy qui était là. Ici, c'est une rondelle libre en zone neutre, prise par Brashear, qui est rattrapée par Yzerman. Sa passe, lui, est interceptée par Hodline. Et voilà qu'il remet chez les Wings. 10 à 1, Détroit. Voici Niklas Lidström. Beau relais pour Dandenault de la part de Harry, mais Yzerman les a devancés sur le flanc gauche. En direct du Forum de Montréal, vous regardez la soirée du hockey Molson sur SRC Sport. Pour des responsabilités accrues au cours des dernières semaines, il va très souvent maintenant à Fredericton pour suivre l'évolution de cette équipe, voir si les joueurs s'améliorent, des jeunes joueurs comme Fraser, que l'on voit ce soir ici, et Craig Conroy. Et pour ceux qui voudraient voir le Canadien de Fredericton, il jouera ici même contre les Bruins de Providence le lundi 4 décembre, soit lundi à 19h30 au Forum. Et le prix des billets, ben, c'est 12, 10 et 5 $. Si vous voulez voir le Canadien de demain, venez lundi. Paulin Bordeleau et ses hommes, il y aura les Jim Campbell, Pierre Sévigny, Darcy Tucker, Chris Murray, Mario Roberge, qui est joueur-entraîneur. Il y a Rory Fitzpatrick et peut-être que Conroy et Fraser seront insérés dans la formation également, qui sont là ce soir. Voici Fetissa. Une passe qui est allée du côté gauche. Un relais que Malahoff n'a pu intercepter. Là, c'est Quintal qui reprend et ça devient dégagement refusé aux Red Wings de Détroit qui mènent 10 à 1 sur le Canadien avec 11:52 à jouer au troisième tiers de temps. Canadian Tire a toujours les meilleurs prix sur tous vos produits et vous obtenez toujours de l'argent Canadian Tire pour tous vos achats comptants. Des prix encore plus avantageux chez Canadian Tire. Claude, on parlait des joueurs russes. Kozlov a 4 buts ce soir. Larionov, 1 but, 3 mentions d'assistance. Fiedorov, 1 but, 4 mentions d'assistance. Fetissov a 1 assistance. Konstantinov, 1 mention d'assistance. Total, 15 points. Seulement. Et Kozlov a 6 tirs au but après 2 périodes, Fiedorov 5. C'est la première fois qu'il réussit une prestation de 4 buts dans la Ligue nationale d'ailleurs. Voilà un tir bloqué par Jablonski au dépens de Fiedorov. Quintal relève vers Racine, côté gauche. Racine, un lob que Kozlov intercepte. Il savait que Ricky suivait de près. Là, c'est Vernon qui aide sa propre cause. Avec sa mitaine, il a gardé la rondelle derrière son but en la poussant là parce que sinon il était mal pris. Voici Larionov. Larionov pour Kozlov. Derrière lui, Fetissov est en retard sur le jeu. C'est Recky qui contre-attaque. Recky rentre en zone adverse, remet à Turgeon. Turgeon qui n'a pu tirer, a hésité un moment, a regardé du coin de l'œil et finalement, il n'y avait pas de jeu possible. Et ainsi a perdu le contrôle du disque. Voici Fiodorov. Fiodorov rentre chez le Canadien en mettant à Igor Larionov. Maintenant pour Fiodorov. Fiodorov devant, et c'est Jablonski qui est venu voler un but ici à Stu Grimson, qu'on a greffé au quintet soviétique. Il le complète du moins. Il y avait Draper, maintenant c'est que Bowman amorçait des changements. Il veut faire jouer tout le monde. Absolument, et avec une telle marque. Et Stu Grimson, on sait c'est un bagarreur, mais là on va l'utiliser, on l'a utilisé pendant quelques instants avec deux des meilleurs joueurs de cette formation. Bon, si on regardait ce qui se passe ailleurs, Ligue nationale, on vous a parlé que Kevin Stephens n'a pas joué ce soir pour les Bruins de Boston. On l'a laissé tout simplement de côté. Ils ont gagné 6-4. C'est rare qu'on voit Dominique Hašek accorder 6 buts en haut d'une rencontre.
4-1, les Islanders, c'est terminé contre les Devils du New Jersey. Il y a eu un changement. On vous le rappelle aujourd'hui, chers amis, que Maloney, le directeur général, a été congédié. Et aujourd'hui également, ce soir, Kevin Constantine, l'entraîneur des Sharks de San Jose, bye-bye. Voici Bourré. Pas le lien de parenté avec le vieil acteur américain qui a fait carrière en France, Eddie Constantine. Non, pas du tout. Absolument pas. Même s'il faisait dur à cuire, ben, dont le personnage était... Tous les deux avaient la même coupe de cheveux, une brosse. Ben, oui, c'est vrai. Mais il faut dire que Eddie Constantine pouvait ranger sa brosse dans un tiroir, par exemple. Allons-y maintenant avec... La Coupe du monde, mon cher Claude, que nous vous présenterons avec beaucoup de fierté à Radio-Canada. Tout d'abord, ça va commencer jeudi le 29 août. Et tout un match Canada contre la Russie. Le match sera présenté à Vancouver. Il se pourrait, on nous dit qu'on tente actuellement de voir si le camp d'entraînement pourrait se tenir à Vancouver, parce qu'il y aura un tournoi de golf de la PGA dans cette région au cours du mois d'août et que l'Association des joueurs risque d'être impliquée dans ce genre de tournoi. Donc, ce serait une occasion rêvée pour faire le camp d'entraînement à Vancouver. Et on profiterait de la présence de ces joueurs pour les pro-célébrités, bien sûr. Quand vous voyez Europe 1 versus Amérique 2, c'est qu'il y aura deux poules, c'est-à-dire le pool Amérique et le pool Europe. Et ensuite, pour les rondes des médailles, tout ce monde-là va s'amener ici en Amérique du Nord. Marc Bergevin a été chassé pour 2 minutes, avantage numérique canadien. Ils ont 10 minutes 17 pour marquer 10 buts et gagner. J'ai fait froncer les sourcils, M. Pennier. Jablonski immobilise la rondelle suite à ce dégagement. Derrière son but, c'est Quintal qui repart. Oui, le camp d'entraînement pourrait être tenu à Westwood Mountain. Un beau site. Voici Eiserman. Et en altitude, ça pourrait aider. Savage relève vers Turgeon. Turgeon maintenant rentre en zone adverse. Une passe qui ne trouve pas preneur, sauf Eric qui dégage. Après interception, bien sûr. Aucun tir au but depuis le début de l'attaque à 5. Un seul, pardon. Voici Malahoff. Rattrapé par Johnson, remet à Ricky. S'empresse de pousser le disque en zone des Wings, qui sera pris là par Primo. Son dégagement est annulé par Quintal. C'est devenu une passe pour Turgeon, aux prises avec Fetisov, qui parvient tout bonnement à remettre à Primo. Et le voilà qui contrôle la rondelle en zone neutre. C'est pour Johnson. Johnson coupe vers l'intérieur, essaie d'enfiler l'aiguille. Primo également, mais Jablonski a fermé la porte. Il était laissé seul. Voici Malahoff. Malahoff en retrait pour lui-même. C'est Popovic qui récupère. On manque un des meilleurs pointeurs chez le Canadien sur les points d'appui. En tout cas, c'est Patrice Brisebois qui a été chassé en première période. Double échec à l'endroit de Darren McCarthy, Claude. Et Darren McCarthy n'est pas revenu dans le match. N'oublions pas aussi. C'est vrai. Ici, c'est Racine. Il tire par derrière le filet de Vernon. Ce sera pris par Popovic. Là, c'est Dandeneau qui est là également. Popovic qui repart avec le disque, retourne sur son point d'appui, mais sa passe est interceptée par Fetisov qui dégage. Voici à nouveau Popovic. Popovic avec Stevenson, Danfous, Koivu et Racine. Voilà Koivu pour Racine. Le tir qui est bloqué dans les airs par Vernon, alors qu'il y avait beaucoup de circulation devant son but. 10-1 pour les Red Wings. Le record de buts accordé par le Canadien est de 11. On y reviendra dans un moment. Il reste 8 minutes 17 à jouer en troisième. Trois autres ont été échangés. Et Keith Primo, Claude, est un joueur que les Red Wings ont vraiment résisté à la tentation de l'échanger. Ça a mis un certain temps avant qu'il débloque. Mais là, c'est devenu un joueur indispensable. Et je ne savais pas qu'il y avait des danseurs du côté des partisans des Red Wings. Mais quand on parle de Primo, il a été un joueur dominant pendant les séries l'an dernier, surtout pendant l'absence de Steve Yzerman et Sergei Fiedorov, qui avait beaucoup de difficultés à étaler son talent pendant les séries. Ça a été le joueur clé des Red Wings, Primo. Il faut dire qu'il y avait le maire et sa troupe l'an dernier aussi qui auraient frustré le talent de bien des joueurs. Oui. Avant la série finale. Ah oui! Ici, c'est Koslov qui a essayé de marquer un cinquième but. Il est venu bien près de le réussir. Voici Bourré. Une passe qui va à Petrov. Petrov la harponne plus loin pour lui-même, mais c'est Fetisov qui la lui enlève pour remettre à Koslov. Koslov revient sur ses pas. Est-ce qu'on a le choix de la première étoile, Koslov, avec 4 buts? On a des gros chances, oui. 7 minutes de Paris sur Fiedorov aussi. Oui. Disons qu'il va y avoir du off sur les 3 premières étoiles. Kosla. S'il y en avait 5, on nommerait le quintet soviétique, le quintet russe, pardon, comme les 5 meilleurs du match.
Malahock, qui n'y serait pas, il va d'un tir qui est dévié par Vernon chez les spectateurs. 5 à 10 heures pardon, pour les Red Wings de Détroit. Et Bernard Geoffrion, qui était notre invité à la deuxième pause, en a vu d'autres. Mais là, il oublie la débandade ou la défaite de son équipe pour signer quelques autographes, serrer des mains. Et bien sûr, s'amuser avec les spectateurs présents. C'est Mme Geoffrion, Marlene, oui. qui est avec. On sait que leur fils, Danny, avait joué pour le Canadien de Montréal. Absolument. Sous la férule de son père, d'ailleurs. Voici Bob Airey à la poursuite du disque. Malahoff en diagonale le rattrape. Airey applique les freins. Le relais pour Dardenneau et le but! Son deuxième du match. Je vois Claude, encore une fois, comme je te le mentionnais, Craig Conroy est sur la patinoire. Il tente de gagner un poste régulier avec le Canadien. Ici, c'est Malahoff qui tarde à s'en aller sur le porteur de la rondelle. On permet à ce moment-là aux joueurs des Red Wings d'effectuer une passe. Quand on dit qu'une équipe cherche à prendre des raccourcis, on oublie tout ce qu'on avait appris au cours des dernières semaines. Malahoff, plutôt que de s'en aller vers la rampe, la clôture, de contrer le porteur de la rondelle, il le laisse effectuer sa passe. Dandeneau, au risque de se répéter, est l'un des très, très bons patineurs chez les Red Wings, oui. avec Paul Coffey et Fiedorov. Et il l'a démontré ici en se démarquant encore une fois. Alors, c'est 11 à 1. Et une autre fois, le Canadien accorde 11 buts à l'adversaire. On égale le record, peu enviable. Sixième fois? Une sixième fois, exactement. La dernière fois que c'est arrivé, c'était pas contre les Whalers de Hartford, ça? Il me semble que les Whalers avaient gagné une fois. Oui, le 19 octobre 1985. Et 11 à 6. Le Canadien avait pris les devants à part ça. Oui. Hein? Le Canadien menait, je ne sais pas combien, 4 à 0. Et puis, ils étaient revenus de l'arrière. Oh là là là. Je ne sais pas s'il y aura un entraînement demain. Je présume que oui. Ça va durer trois jours, l'entraînement. Ah, je pense qu'il va y avoir un entraînement dans le vestiaire. On va se parler très fort. Oui, dans les yeux. Oui. Ce ne sera pas en veillant sur le perron. Et il y aura d'autres cas réglés aussi au deuxième étage. Mmh. Oui. Voici Quintal. Et on va probablement essayer de camoufler tout ça, puis de faire croire que la tempête est moins importante qu'on veut bien croire. Hein. C'est normal qu'on réalise ainsi. Voici Quintal. Quintal, donc, qui essaie de garder la rondelle chez l'opposant, n'y arrive pas. Et c'est la pointe qui décampe. La pointe avec Draper. La pointe attire Racine. Passe jusqu'à Grimson. Grimson pour Rouse. Vers Grimson à nouveau. Ici, il est devancé par Quintal, qui est plaqué. Fraser intervient pour Danfous. Voici Danfous. Une passe qui va à Scott Fraser. Devance Grimson. Ne peut tirer au but. La rondelle revient à Danfous. Relais vers Malahoff. Un tir bloqué par Vernon alors que Fraser est passé devant lui. Mais il a réussi l'arrêt encore une fois. N'a cédé qu'un but. C'est 11 à 1 pour les Red Wings de Détroit avec 5 minutes 49 à jouer à la troisième période. Soyons clairs et précis. À votre Canadian Tire, vous trouverez des bas prix garantis tous les jours. Si jamais vous trouvez un meilleur prix ailleurs, nous l'égalerons. C'est garanti. Yvon, la farce de la semaine dans la Ligue nationale, c'est la menace de Keenan à ses joueurs. Keenan dit à ses joueurs, « Hey, je vais changer d'instructeur. » Les joueurs, ils disent, « Hey, qui est-ce qui peut menacer à part nous? » Lui-même, c'est lui, le directeur général. De toute façon, il est le premier à viser les propriétaires des Blues que s'il voulait apporter un changement, de bien vérifier son contrat. Il y a une clause très précise où on ne peut pas le congédier avant la troisième année de l'entente. Oh. Alors, je vois très mal Mike Keenan congédier Mike Keenan, l'entraîneur. Voici Turgeon. Pour Ricky, il est seul. Il lance et Vernon qui fait l'arrêt. Et là, il n'y a rien, mais alors là, absolument rien pour le faire marcher. Malahoff semble blessé. Là. Il est au banc en douleur. Il n'y a rien pour qui fonctionne chez le Canadien. Absolument rien. T'as vu, il avait Vernon à sa merci. Johnson tente de réussir son tour du chapeau, n'y arrive pas, de le compléter du moins. Là, c'est Primo qui intervient. Une passe qui ne trouve pas preneur. Popovic, il va de harponnage pour Turgeon maintenant vers Ricky. À Turgeon, mais il avait devancé le porteur du disque à la ligne bleue. Malahoff est parti vers le vestiaire. La soirée du hockey Molson se poursuit dans un instant sur SRC Sport. Le vestiaire des siens. Eh bien, 11 à 1 pour les Red Wings. Voici Koivu sur une passe d'Oudline. Pressé, passe à Oudline à nouveau. Bourret tente la sortie de zone sur le revers. Il y va avec une passe pour Petrov.
Petrov en zone adverse. Une passe pour Bourret. Maintenant pour Koivu. Et encore, c'est Vernon qui fait avorter cette poussée du Canadien. Voilà encore Bourret. Bourret. Une passe dirigée vers Koivu. On a réuni les Schtroumpfs pour la fin du match. Avait-on le choix? Autre choix. Voici Konstantinov pour Kozlov qui a réussi 4 buts ce soir. Et est-ce que c'est arrivé déjà que quelqu'un réussisse 4 buts contre le Canadien? Oui, monsieur. C'est en 1986, et je m'en rappelle très bien, les Nordiques étaient ici au Forum, Claude, et Michel Goulet avait inscrit 4 buts. D'ailleurs, faire une performance exceptionnelle. Les Nordiques l'avaient emporté 8 à 6. Avez-vous assez de mémoire pour me donner la date précise? Non, je vais te laisser le soin de ne pas regarder ton petit papier. Non, mais... 17 mars, incroyable. Ah, ouais. 17 mars 86. Et tout lui souriait, ça roulait pour M. Goulet ce soir-là. C'était tout à fait remarquable. Et ce gars-là n'était pas explosif, hein? Oui. Alors, on parle d'un joueur qui en a marqué 4 buts ce soir. Vyacheslav Kozlov. Et il a essayé d'en réussir un cinquième. C'est pas fini. Il reste encore 3 minutes 52. On va essayer de faire compléter le tour du chapeau également à Johnson. Voici Harry. Harry qui a essayé de tiré sur réception, il a raté la cible. Tout fonctionne très bien. Hein? Oui, mais... On leur facilite la tâche. C'est incroyable que les joueurs puissent, les Red Wings puissent se promener dans la zone privilégiée avec autant de facilité. Ouais. Voici Fraser. Une passe qui est à la Danfous. Danfous repousse le disque derrière le filet de Vernon. C'est Stevenson. Il va d'une passe qui est devenue un dégagement ou presque annulé par Popovic, mais dont le tir a été bloqué dans l'enclave. Voilà un 3 contre 2 avec Eiserman en tête, suivi de Dandenault. Eiserman applique les freins. Dandenault aussi pourrait réussir un tour du chapeau. Voilà la passe devant pour Eiserman. Il a fendu l'air là-dessus parce que Popovic était à proximité pour le gêner. Rouse ne peut garder la rondelle chez le Canadien, sorti par Popovic. Voilà Popovic chez les Wings. Durvert, il tire à la droite de Vernon. Le forum est presque vide. Quand le 11e but a été marqué, les vomitoires se sont remplis. Voici Brashear. Brashear perd le disque. C'est la pointe qui décante du côté droit, devant Racine. Le tir dévié par Racine chez les spectateurs, du moins ce qui en reste. On s'arrête, c'est 11 à 1 pour Détroit avec 2 minutes 38 à jouer dans ce match. La tendance se maintient. SRC Sport prévoit qu'il n'y aura pas de prolongation. Voici Racine. Une passe qui est prise par Conroy. Il est attendu par Bergevin. Il y a eu une bonne collision, une bonne mise en échec. Le disque se retrouve chez le Canadien. Oudlein contourne le filet de Jablonski. Il en relève à Patrick Roy. Ici, c'est Oudlein. Oudlein qui s'aventure, abandonne la rondelle derrière lui. C'était pour son capitaine Keane qui était loin de son profit. Draper passe à la pointe. La pointe s'avance. Le tir est bloqué par Jablonski. Draper écrasé par Racine sur la bévité. Là, c'est Konstantinov qui recouvre le disque. Son tir est complètement annulé par Conroy qui va d'une relance avec une passe pour Donald Brashear. Le boulet de Brashear est dévié hors cible par Fetissa. Là, c'était vers Dandenault, au loin. Ici, Dandenault récupère une rondelle perdue. Primo ensuite. Il va d'un tir que Jablonski n'a pas eu à toucher. C'était hors cible. Là, c'est Konstantinov, un autre tir bloqué par Jablonski. Il n'a pas été mauvais, Jablonski, depuis qu'il était là, il est arrivé en scène. Voici Popovic. Une passe pour Ricky. Ricky est rattrapé par Fetissov. Il faut dire que Roy n'a pas été mauvais non plus, même s'il a accordé plusieurs buts, Yvon. Roy n'était pas à blâmer sur tous les buts. Voici Primo. Une passe qui est prise par Turgeon. Voilà Ricky maintenant. Ricky du côté droit pour Turgeon. Ici, c'est Quintal. Quintal s'avance, ne peut tirer au but. Moins d'une minute à jouer. Racine qui récupère. Racine, une passe pour Savage. Savage qui tire à la droite de Vernon, du moins à sa gauche, à lui, à la droite de son but vu d'ici. Lidstrom sort du côté gauche. Une passe qui est prise par Steve Eiserman. Eiserman rentre en zone adverse. C'est de la rondelle à Rouse qui s'avance bien. Eiserman devant ensuite. Mais Draper, là, était complètement démuni. Il n'a pu diriger la rondelle vers le filet. Il l'a remise à nouveau à Draper. C'est une passe de trop que c'est devenu. Là. Voici Lidstrom pour Draper. Il était en chute. Il reste 9 secondes à ce massacre. Voici Eiserman. Contourne le filet de Jablonski. Essaie de tirer au but. Racine arrête le tir. Petrov un autre. Et voilà.
Enfin, doit-on se dire au banc du Canadien, c'est terminé. Et regarde Roy qui quitte sans retourner sur la patinoire. Incroyable. Avec ses, voir ses camarades. Tout de suite, il s'est en allé au vestiaire des siens. Oh, on a de très sérieux problèmes chez le Canadien, là, il faudra au cours des prochaines heures. Et comme je connais Mario Tremblay, Claude, ça, on ne traînera pas ces choses-là. Non. Et j'ai l'impression qu'au cours des prochaines heures, il y aura des décisions qui seront prises. Alors, 11 à 1 pour les Red Wings de Détroit sur le Canadien de Montréal. Écoutons maintenant le choix des trois étoiles Molson du match de ce soir. Voici Michel Lacroix. Mesdames, Messieurs, voici maintenant les trois étoiles Molson Export du match de ce soir. Elles ont été sélectionnées par M. Mathias Brunet du journal La Presse. Ladies and gentlemen, here are tonight's Molson X three stars, as selected by Mr. Mathias Brunet from La Presse newspaper. La troisième étoile, the third star, Igor Larionov. La deuxième étoile, the second star, Sergei Fyodorov. Et la première étoile, the first star, Vyacheslav Kozlov. Alors, rappelons le choix des trois étoiles Molson du match de ce soir. La troisième va à Igor Larionov, la deuxième à Sergei Fyodorov et la première à Vyacheslav Kozlov. La soirée du hockey Molson se